Vous me dites dès le début, les gars, s'il y a un souci au niveau du son, hein. Très très vite, d'accord? Bon, franchement, je suis trop content d'y jouer parce que ça fait des années, comme je vous ai dit, ça doit faire depuis 2007 que j'ai pas fait le jeu. Je l'avais fait sur Xbox 360 à l'époque. On va essayer d'aller jusqu'à Ravenholm aujourd'hui, je sais pas, vu que j'ai mal au crâne, peut-être qu'on coupera un peu plus tôt aujourd'hui, mais je suis trop content de le faire avec vous. C'est parti, Half-Life 2, la découverte pour peut-être beaucoup d'entre vous, et pour moi la redécouverte, c'est parti. Réveillez-vous, Mr. Freeman. Réveillez-vous. Il date de 2004. Oui, mais je l'avais fait en... Réveillez-vous, Monsieur Freeman. Réveillez-vous. Ah, je savais qu'il allait dire ça! Attends, c'est peut-être un peu fort, non? Est-ce que c'est un peu fort? Vous me dites tout de suite que je baisse ou pas. Non, c'est parfait. C'est bien. Je baisse... Quand même, un chouille. C'est parti. Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Après, le doublage français, et il était propre, hein. Tous les efforts du monde auraient été gâchés. C'est Half-Life 1 derrière! Eh bien, disons que votre heure est venue de nouveau. Franchement, c'est encore joli, hein. Je suis choqué, hein. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, Monsieur Freeman. Debout. Sentez-vous l'odeur des cendres. Sentez-vous l'odeur de mes fesses, Monsieur Freeman. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, sensibilité. 60, peut-être que ce sera mieux. Ça a l'air d'être ok. J'ai beau avoir été relogé plein de fois, je m'y ferai jamais. Ça, c'est Tibro. Allez, ça redéménage. C'est mon troisième transfert cette année. C'était une dinguerie, hein, franchement, parce que déjà sur Half-Life 1, à l'époque, tu pouvais parler à tous les PNJ. Bon, ils te ressortaient souvent les mêmes phrases, mais tu pouvais parler avec tous les PNJ. Et là, c'est pareil. Bon, après, vous allez voir, il n'y a pas un milliard de modèles différents de PNJ, mais... Oh là là là. Oh, les souvenirs. Cité 17. Cité 17. Vous êtes candidat à une mutation dans l'un de nos derniers centres urbains de qualité. On dirait l'ancien Premier ministre, j'ai oublié comment il s'appelle. Merci El Famoso pour ton deuxième mois d'abonnement. Dans la citadelle, si gentiment fournie par nos bienfaits. Alors, j'ai jamais réussi à... Comment ça s'appelle? Mais c'est tout ce qui me reste. J'ai jamais réussi à faire du bunny hop dans le jeu. Bienvenue à Attendez que j'essaie. Ouais. Attendez, normalement il faut que je mette. Ouais, on verra ça plus tard. Je suis pas un speedrunner de ce jeu de toute façon. Vous étiez seul dans ce train? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Franchement, je trouve que. Ah encore, vas-y! Ah, c'est bon, je peux y aller, monsieur. Ah, putain. Je crois qu'on pouvait commander, non? Et voilà. Et voilà pourquoi le jeu est une dinguerie. Tout... Pardon? Ça suffit, maintenant. Quoi? Ça... A arrêté le train dans les bois. Ta gueule. Mais ça m'intéresse pas, ton histoire. Mais je sais plus quand c'était. Ils ont été sympas. Oh là là, elle raconte sa vie, elle. J'en ai rien à foutre. On pouvait interagir avec tout. Le moteur source, c'était vraiment... Et c'est encore une dinguerie. Faites gaffe, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez. Attends, quand même, il y a des gens... C'est une bouteille en sucre, là. Ça suffit. Alors, je vous laisse tranquille, monsieur. Ouais, moteur physique de dingue, hein, franchement. On le verra plus tard, de toute façon, il y a des énigmes où, où on s'en sert. J'espérais de pouvoir jouer après Cité 14. J'ai essayé de jouer peut-être un peu plus RP quand même, mais... Quel jeu de fou. J'y vais. Ah, je sais déjà ce qui se passe, mais... Je vous suis. Mutation dans l'un de nos derniers
des centres urbains c'est... de qualité. On le connaît, lui. Ça doit être une erreur. J'ai un bon de relocalisation comme tout le monde. Reçu. Mauvais quart d'heure. Là, ça passe en, en casting couch, là. Entrez. Ah non, c'est lui qu'on connaît. Je sais plus. Besoin d'aide pour celui-là. Non, ça va. Arrière. Quelqu'un d'autre de... Ouais, il me faut un peu de calme pour ça. Allez, montre ta tête. Ouais. C'est moi, Gordon. Barney de Black Mesa. C'est moi. Pardon de vous avoir fait peur. Mon numéro, c'était pour les caméras. Je suis un agent infiltré dans la... Il est fort, hein. Je ne peux pas rester longtemps, ça va faire louche. Et puis, mon quota de tabassage est au plus bas. Oui, Barney, qu'y a-t-il? Je suis en plein milieu d'un test primordial. Et il est là, lui aussi. Arbok, mais regardez qui voilà. Bon Dieu, Gordon Freeman. Je sais, je sais. Je ne pas ça. Et vous et moi, Doc. Il allait prendre l'express pour Nova Prospect. Mais, Barney... Alors par contre, je me rappelle plus pourquoi on vient à Cité 17. Alix est quelque part, par là. Elle saurait certainement comment le faire venir ici. Je me rappelle plus du tout pourquoi on vient là. Je ne pas des postes de contrôle, ça ira. Écoutez, je dois y aller, Doc. On prend déjà assez de risques. Très bien. Et... Ah putain, j'y arriverai pas. Normalement, il y a un glitch, alors peut-être que c'est pas sur cette version du jeu, mais... Faire ça sur certains... Avec certains objets sur des... Sur des PNJ, ça avance les trucs. J'y vais, je me casse. Bon, et là, ça commence à devenir la merde. J'y vais. Putain, faut que je me refasse du coup aux touches, parce que c'est un peu bizarre par rapport à d'autres jeux d'avant. Donc, je sais que quand je saute... Je peux aussi me baisser. Voilà, pour que ce soit un peu mieux. Et là, on va du coup aller dans... On va aller dans Cité 17, en fait. Oui, sur cette version, mais il faut que le PNJ bouge. Tu peux essayer, c'est assez simple. J'essaierai de le refaire plus tard. Parce que peut-être avec Alix, j'essaierai de le faire plus tard. Essaye. Ah ouais, tu croyais que j'allais me laisser faire. Voilà, victime de merde. C'est bien ça. Ah mais les sensations quand tu découvres ça pour... Ah mais il continue à me suivre ce bâtard là. Laisse-moi tranquille, c'est bon, je me barre. C'est bon, je suis tranquille là. Oh la vache. Mais voilà, c'est ça, mais quand tu voyais ça à l'époque. Mais on était sur le cul. J'ai eu peur. Plutôt que de répondre à toutes les questions. Vous faites peur aux pigeons. Excusez-moi. Tout d'abord, on va se faire repérer. Devons prendre en compte le fait qu'espèce. Ouais, tout est surveillé. Mais franchement, c'est pour ça aussi que j'ai envie de rejouer à Alix parce que quand t'es dans Cité 17 au début d'Half-Life Alyx, c'est quand même une sacrée dinguerie. Hein. Oui. Ah putain, mais je peux pas regarder deux minutes là? C'est un reportage pour Brut! Zerator pour Brut! Combien de récolter cette année? Combien Brut? Zerator pour Brut! Putain. Ah, risotto. Ça te plaît? Et ça, c'est quoi? C'est Strider déjà, non? Je crois que c'est ça. Bon, on va en buter plein à la fin du jeu. Hein. J'ai des petites réminiscences dans la tête de ce qu'était le jeu, mais... En fait, je me rappelle plus exactement de la chronologie de tout, quoi. Je crois qu'il faut que j'aille ici, non? Voilà, allez, fouille au corps. Ouais, l'ambiance, elle était folle, franchement, au début. Ça n'a pas pris une ride comme Nagui. Peut-être un peu quand même. Mais c'est toujours pareil. Regarde-les là. L'immeuble et puis tout le quartier. Le duo comique. Ah, ils en trouveront une. Franchement, même le doublage, j'ai oublié à quel point il était propre comme ça. Hein. Il n'y avait pas un bug aussi avec la balançoire? Alors pas comme dans GTA, mais je sais qu'il y avait un délire aussi avec la balançoire. La V-Sync est pourrie? Ah ouais?
Ah ouais, vous en avez une... Peut-être qu'il faut que je la désactive. Je teste un truc, hein, les gars. C'est vu que j'ai mon PC de stream. Ah non, j'ai l'impression que c'est moins bien, non? Je sais pas comment faire pour que ce soit mieux pour vous, les mecs, malheureusement. Sur certains jeux, j'ai ça, ouais. Écoutez, même moi, j'en vois un petit peu, hein. Donc, je suis désolé, vous allez être obligés de vivre ça, mais... De toute façon, je crois qu'on peut pas passer ici. Ouais, voilà. Ok, c'était ici. Je pensais que c'était là où il y avait l'inquiéter acide qu'il fallait continuer, mais... Ah, on peut passer, là. Oh là là, et quand... je viens de repenser à toutes les armes qu'on va trouver plus tard, ça va être une dingue, ça. Ah, pareil, putain, cet endroit. En termes de mise en scène, ils avaient tellement tout compris, putain, c'était... Et regardez ça! Allez hop, plus de BFM TV, là! C'était une dinguerie, ça, à l'époque, hein. Par où est-ce qu'il faut que je passe, là? Oh! Tu viens pas m'agresser, toi? Oh, tu peux? On n'en voit pas la fin. Putain, je pensais pas que tu pouvais, hein. Pitié. Ça va aller. Ouais, je suis sur le cul. Je sais même pas, en fait, s'il y a des mods qui existent pour rendre le jeu un petit peu plus beau que ce qu'il est. Ah, peut-être que j'en installe. Mais je trouve que c'est encore super beau, hein. Ah. J'arrive. J'arrive. Sur le toit. Pas de temps à perdre. Allez, dépêchez-vous, là, on va se faire bouffer le cul. Tiens. Je me dépêche. Tiens, si je peux pas encore courir, là. Ah, putain, ça y est. Bande de con. Lui, c'est mon pote, lui, à chaque fois. Direction les toits. Oh, putain, mais je viens de me souvenir de ce qui se passe après. Ça va être une dingue. Ah! Géronimo! Les pigeons, les câbles! Ça, c'était une dinguerie! Aïe! Laissez-moi tranquille deux minutes, là, au bout d'un moment. Je peux pas courir! C'est normal ou pas que je puisse pas courir encore? Ah. Oh non, non, laissez-moi tranquille! Ah! Ouais, je savais déjà ce qui se passait. Ah oui, c'est vrai qu'il faut la combi, je suis con. Ah, Alix! Ah, Alix! Ah, Alix! Je suppose. Bah, bien sûr. Il faut se dépêcher. Le cartel est un peu lent au réveil, mais ensuite, mieux vaut ne pas croiser son chemin. La waifu de Half-Life. Mais il n'a pas pensé que vous n'auriez pas de carte. Pas très drôle, hein, la meuf. Mais bon. Passons outre. Si tu peux me sortir de cette merde, je te suis. Ça, je viens d'avoir un flashback. Mon père a travaillé avec vous à Black des modes de jeux d'horreur qu'il y avait sur Half-Life 2, là. Moi, je pense. C'était vraiment une dinguerie, hein. J'en avais fait des vidéos à l'époque. Causant, hein. Bah non, je parle pas. Je sais plus comment il s'appelait. Il y en avait un qui c'était Nightmare, je sais pas quoi. Je me rappelle plus ce que c'était exactement. Ouais, je devrais les refaire, ouais. Par ici. Merci Ice Snow pour ton cinquième mois, c'est gentil. Nightmare House 2, voilà, c'est ça. C'est celui que j'avais fait en vidéo à l'époque. Étrange, vous réapparaissez justement aujourd'hui. Comme par hasard. Bon, le doublage d'Alix se repassera peut-être, hein. Mais j'y pense, je crois que j'ai pas fait le jeu en anglais une seule fois dans ma vie, hein. Nous avons aidé les habitants. J'aimerais bien essayer de faire ce que me disait Biwix, là, mais... J'ai pas d'objet qui me le permette. Nous sommes enfin sur le point de trouver une nouvelle voie.
J'ai pas d'objet encore pour le faire. Je vous offre un verre. Ouais, c'était vraiment bien Nightmare House 2. Et même sur les premiers Half-Life, le jeu là qui est sur Steam gratuit, faites-le si vous l'avez jamais fait. Cry of Fear, dinguerie. Vous rencontrer enfin. Eh ben merci Alex Vance. Et voilà, et là c'est le bordel, c'est le boxion. Satané bestiole. Où est-il passé ? Je peux le faire comme ça, non ? La mare. Sors de là. Oh oh, tout va bien docteur. Oh, bonjour Alex. Ça va presque bien. La mare s'est encore enfuie de sa caisse. Si je m'écoutais. Ah putain, j'avais oublié, c'est vrai qu'il a un crabe, un night crab en animal de compagnie. Freeman, c'est vraiment vous, n'est-ce pas ? C'est bien moi. En train de traîner dehors. Un fauteur de troubles, non ? Nous devons beaucoup au docteur Freeman, même si les ennuis le suivent comme son ombre. Oui, ça c'est bien vrai aussi. Hein. Jamais eu de chance, hein, Gordon, dans ma carrière. Je dois dire que vous arrivez à point nommé. Alex vient d'installer le dernier composant de notre téléporteur. Tout le mérite de ce projet. Ah, mais même les reflets, hein. Regardez ça, là. Nvidia en sueur, hein. Il est ici. Ah. Gordon, vous avez réveillé la ruche. Ça marche pas, Biwix. Ça mettrait tout votre travail en danger. Vous en faites. Tu m'as menti. Exact, Barnet. Oh, j'ai réussi. Mémorable. Nous inaugurons le nouveau téléporteur en faisant une double transmission. Alors, ça a marché. Pour de bon. Parce que. Du coup, il faut qu'il bouge, c'est ça, tu m'as dit. Allons, allons, allons. Pas de quoi s'inquiéter. On a beaucoup progressé depuis. Ah. Beaucoup progressé. Il bouge plus. Chat. Je vais réessayer. Puisqu'il ne sort pas, il peut quitter ses habits civils. Quoi? Ah bon ça. Oh c'est vrai, j'ai failli oublier. Mais tu vas te téléporter, Alex, là? T'as comment j'ai réussi à le faire? À mon poste, mais... Il faut aller trop vite, hein, c'est fatigant cette merde. Ouais, j'ai encore réussi, tiens dans ta gueule, Alex. Voilà. Allez hop. Ça c'est pour Bibi, ça, la combi. Voilà. Ah, ah bah il est là. Bon sang, enlevez-moi ce truc. La mare, te voilà. La mare, il l'a appelé quand même. Hein. Certainement pas. Mais aïe. Gordon, sans son bec, il est inoffensif. Au pire, il risque de s'accoupler à votre tête. En vain, bien sûr. Ouais. Mais head fuck. Cette bestiole de moi. Viens, mon petit. Grimpe. Non, pas là-dessus. Non, non. Attention, la mare. C'est lui qui va faire la merde là dans le labo. Sacrebleu. Il me faudra au moins une semaine pour le faire sortir de là. Ouais. Un peu plus. Je crois que même en anglais, jamais ils auraient voulu qu'on traduise ça en sacre bleu. Mais bon. Bon, allez, donne-moi la combi, là, Barnet. Gordon, allez-y. Enfilez. J'y vais. Votre combinaison. Oh, avec le son, en plus. Gordon, votre combinaison CEH vous va encore comme un gant. Au moins pour les gants. J'y ai apporté quelques modifications, mais je m'en tiendrai à l'essentiel. Voyons voir. Du coup, là, je peux courir. Voilà. Le modèle 5 de la combinaison pour environnement hostile a été repensé en termes de confort et de fonctionnalité. Mon Dieu. Doc, on n'a pas le temps. Rechargez au moins la combi, Gordon. Bonne idée. J'y vais. Il y a un chargeur sur le mur. Votre combinaison est... Ah, mais tous ces sons-là aussi. Et elles sont nombreuses. Je pense que le mieux, c'est le son de... pour ce heal. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est bon, j'ai chargé, là. Hein. Pendant ce temps... Le boulot. Je suis franchement sur le cul que le jeu soit aussi stylé, aussi beau et marche aussi bien alors que ça fait oula, 18 piges, c'est ça? Allez, que c'est sorti. Ah voilà, ça je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle. Ok, je m'en rappelle. Positionnez-vous près du panneau là-bas et attendez mes consignes. Ça marche. Tu es là. Oui, Elix. Oh, alors toi. je pleure, vous savez pas encore pourquoi, mais. Ce n'est pas la personne à qui je pense. Effectivement. Et nous comptons vous l'envoyer sur le champ en compagnie de votre charmante fille. Oula. Oh, le pédophile. Du calme, hein. Bon. Le mec, il a un chien qui s'appelle Lamar et en fait, c'est un suceur de cerveau. J'ai bloqué les paramètres du collecteur sur base CY et Orbifold LG. Il perd un clic. Ah, tout le sound design du jeu, c'est... Ça fait monter de la nostalgie, quand même. Hé, hey, ouais, à propos de ce char... Initialisation dans 3, 2, 1... Bam!
Je rebranche. Excellent. Vous laissez Gordon enclencher le bouton. C'est qui? Gordon, roi devant. Celui-ci. Très bien. Séquence finale. Démarrage. Ça va mal se passer. Oh, sans moi. Ok. C'est vrai que le doublage d'Alix peut-être... Ah! Peut mieux faire, peut mieux faire. Vous avez raison. Ça a marché? Voyez par vous-même. Et Doc? Oh, Dieu merci. Donc lui, c'est le papa d'Alix, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ou pas le lore. Tout le mérite n'est pas pour moi. Le docteur Freeman m'a bien épaulé. Continuons. J'ai branché un truc, quoi, sur une multiprise. Il se fout de ma gueule, le vieux, là. On se retrouve dans quelques instants. Bien joué, Gordon. Déjà enclenché le bouton? Merci Sphincter pour ton 6e mois d'abonnement, c'est très très gentil. À votre tour. Cool, merci. Gordon, dès que vous êtes prêt, nous vous enverrons chez vous. À mon tour. Excellent. Initialisation dans 3. Ah, j'adore le sound design du jeu, putain, c'est une dinguerie. Bonne chance, Gordon. Certainement. Nous sommes prêts à vous propulser, Gordon. Bon voyage et bonne... Mais c'est les mêmes sons que dans Half-Life 1, en fait. Au début aussi, je viens de me rendre compte. Qu'y a-t-il ? C'est votre bestiole ! C'est la mort ! C'est sa faute si ça capote ! Ah ! Voilà, exactement comme dans Half-Life 1. Laissez tomber cette bestiole ! Il traverse, papa. Je suis là ! Alix ! Oh, lui aussi, c'est notre pote ! Ne bougez pas, on va vous sortir de là. Oui, bah faites vite ! Eh ouais, je suis dans le bureau du boss. Y'a un problème ? Le voilà. Je vais le sortir de là. Vous ne pouvez pas entrer dans le champ. Vous seriez désintégré. On vient de perdre Gordon. Que se passe-t-il ? Si je savais, il y a des interférences inattendues. Vous en faites pas, Gordon. Le voilà. Ah, on l'a encore perdu. Je suis presque certain que c'était... Gordon Freeman. C'est bien moi ! Du coup, je me rappelle même plus où est-ce qu'on se téléporte à la fin. Ah bah voilà, ici. Éteignez-le. Gordon, vous devez sortir de là. Courez. Bah, éteins-moi, non ? J'ai encore toutes les auras pourries autour de moi, là. Merci. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ces trucs-là. Qui ressemblent étrangement, du coup... Ah, mais c'est pas vrai, mais les paparazzi, là. C'est Brut, encore, qui me casse les couilles. Je donnerai pas d'interview, vous m'emmerdez, sincèrement. Mais on n'est pas censé revoir Barney avant de partir, il nous donne la crowbar normalement. Ah, voilà. Merci. Hey Gordon, la citadelle est en alerte. Elle n'a jamais été aussi éclairée. Quittez Cité 17 le plus... Note band vu en zoom. Ah merde, j'ai pas band ça. Clavier... Pourquoi je suis en facile en mettant normal quand même? Même si le jeu est quand même difficile en facile. Par qu'on fasse Belek, hein. Enregistrement rapide... Bah je le vois même pas. Truc zoom. Zoom de la combi. Où est-ce que je peux le mettre? Ici. Cible Gordon. Voilà. Prenez les canaux pour arriver au labo d'Eli. C'est dangereux mais il y a un réseau de réfugiés et ils pourront peut-être vous aider. Je peux pas venir, je dois m'occuper du docteur Kleiner. Voilà, c'est là que la merde commence. Oh, et avant que j'oublie, vous aviez perdu ça à Black Mesa. Ah, macrobar. Bonne chance, mon pote. Ça vous en fera. Et ça y est, le jeu commence, les mecs. Ah, je suis content d'y jouer, hein. Sincèrement. Bon, l'intro est un petit peu longue, mais... dites-vous que ça, franchement, pour l'époque, c'était une dinguerie, hein. C'était une putain de dinguerie. Bon, allez, c'est parti. Oh oui, là, je me rappelle qu'il y a un bordel avec les trucs de métro. J'ai déjà ma torche. Ah, nickel. Je peux les niquer ou pas ces trucs là, je me rappelle même plus. Les caméras de brut là. Non, je crois que je peux pas. Je vais essayer de le faire venir. Je suis sûr qu'il y a des trucs à looter en fait dans ces trucs là, mais... Ah, mais ça suffit là.
Voilà. Oh, on peut les casser en fait. Je vais essayer de me faufiler à gauche pour pas me faire toucher par l'autre là. Eh bah ben voilà, super. C'est pas ici qu'il faudrait que je passe. Oh parfait. Laissez-moi tranquille les bouffons. Me dis pas qu'il faut que je remonte juste parce que j'ai raté le saut. Putain, je crois que si en plus. Comment que je vais faire? Et d'où tu me touches, toi? Du coup, les sauts, c'est un peu difficile parce qu'il faut que je saute et que je me baisse en même temps. Allez, voilà, ça passe. Bon, les gars, j'ai une question. Est-ce qu'au niveau du son, ça va ou vous voulez que j'augmente un petit peu? Parce que moi, je vous avoue que j'entends pas trop... j'entends pas trop les musiques et tout. Que vous me... pour me dire maintenant. C'est parfait? Ok, bon, moi, je vais laisser comme ça, alors. Ah la vache, putain. Je suis désolé, hein, j'ai un mal de crâne pas possible. Je frotte un peu les yeux. Je vais monter un peu la musique, si tu veux, il y a de la marge. Ok, vas-y, je monte un peu la zig parce que c'est vrai que j'entends pas beaucoup. Je vais le mettre là. Et les OST du jeu, ils sont quand même bien propres, donc autant qu'on en profite tous ensemble. Ah, voilà, c'est ce son-là. Bon, j'avais pas assez de... Il faudrait... Qu'est-ce qui se passe? Oh, les enculés! Je vais vous sauver, madame! Ah! Voilà. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis un héros moderne, hein. Bon, j'ai peut-être fait un petit peu le bousigouloum, là, parce que... Vous allez voir que ça va pas être simple tout le temps, hein. Surtout que... Je crois qu'il y a quand même des phases après où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ah, pss. Peut-être utiliser le gun, en fait, hein. Mais ne serait-ce que... Le son... Qui fait le truc cardiaque, là, qui marche plus... C'est une dinguerie. Alors là, ça va être un bordel pas possible, par contre. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Ok, il y a le train qui se pointe, j'attends. Et ramène-toi, mon pote. Je peux y aller ou pas quand il est en marche? Ah putain, je peux! J'avais zappé que c'était possible. Je suis trop content d'y rejouer, sincèrement. Je suis refait. J'ai essayé d'économiser des munitions quand même. Parce que quand même, l'économie de munitions dans le jeu, c'est important. On dirait pas comme ça, mais... Je me barre. J'ai pas envie de les combattre. Ah! Un club qui tombe. Ça vous plaît, les gars, pour l'instant? Vous imaginez pas à quel point je suis content d'y jouer, hein. J'espère qu'on va aller jusqu'à Ravenholm, hein, parce que vous avez... Apparemment, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez beaucoup à pas connaître le jeu. J'aimerais que vous montrez ce que c'est Ravenholm. Ah! Dis donc! Oh le bâtard! Ah! Attends, deux minutes! C'est pas vrai. Je me soigne parce que sinon on est dans la merde. J'ai déjà plus de soins. Ça servait à rien. Ouais, faut que je me grouille en fait. Bah, tellement y avoir de monde, je suis obligé de me grouiller. Il y a du soin là-bas. J'y vais tout de suite. On m'en sera tranquille.
Allez, j'ai le temps d'y aller. J'ai pas du tout le temps d'y aller en fait. Ah si si putain, je suis trop con. Ah la musique elle est ouf. Allez dans l'eau là mon petit Gordon. Tu vas faire un petit peu de brasse. Merci Elieri pour ton troisième mois d'abonnement, c'est très très gentil. Moi je trouve que la musique je l'entends encore pas assez hein. Vous me dites hein les gars si je peux la monter. Que ce soit que je sois encore audible bien sûr, mais si je peux la monter encore, n'hésitez pas à me dire. Hein. Ah je peux. Allez hop c'est parti. Voilà. Eux ça va être nos potes. Eux. Vous avez de la chance. Vous êtes pas le premier arrivé. Voici le Freeman. L'heure de la vengeance a sonné. J'avais oublié. Bah oui tu me connais puisque là où je travaillais avant, j'en ai croisé des congénères. Vas-y. Fais-moi du bien. Ah. Faites attention. Il faut surtout pas se faire repérer. Si la PC vous chope ici, c'est mauvais pour toute la voie ferrée. Bon, on a pas mal de balles. Hein. Ah merde. J'avais pas vu que je cachais... J'avais pas vu que ça cachait le nombre de munitions. Ça vous va ici? Allez, c'est parti. Donc là, je crois qu'il y a les suceurs, hein, si je dis pas de bêtises. Ah putain, ça c'est peut-être le truc à éliminer, quoi. Comment veux-tu que je fasse, là? Je suis con ou quoi? Avec ça? Protection. Statut évasion en cours dans cette communauté. Répondez, isolez, enquêtez. Bah, mais enfin. Je crois que je suis con, hein. Aïe! Ouais, mais je crois que je peux pas les péter ces planches-là. Ah, bah si, ok. Juste que. Vu que d'habitude on pète des planches qui sont plus claires, je me suis dit, mais attendez. Celle-ci, je peux pas les casser. Alors, toi, mais j'aimerais bien juste. Pour mes success team, est-ce que si je me fais sucer et que je l'attaque au. Que je le finis au doigt, ça passe ou pas? Mais elle est activée, les gars, la V-Sync, hein. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai du tearing sur mon PC de stream. Et là, il est dead? Ouais, ça a l'air. Je sais pas du tout pourquoi, c'est peut-être un truc que j'ai à régler sur OBS, mais... On va être obligé de faire comme ça, ça vous dérange tant que ça? On va être obligé de faire comme ça pour le let's play d'aujourd'hui. Ah, alors là, je m'en souviens. Merde. En fait, je m'en souviens pas tant que ça. Putain, le bâtard. Allez, toutes les heures que j'ai passées sur CS, là. C'est maintenant. Ah ! Je peux passer ou pas, là ? Putain, de souvenir, je croyais qu'il fallait passer là. Ah voilà, c'est ici. J'adore ce son là. Hein. Voilà les bouffons. Merci beaucoup Sac Poubelle pour ton troisième mois d'abonnement. Je me dépêche hein. J'ai vraiment pas envie de me faire bouffer le cul. Je crois que ça passe. Ah putain, ça passe pas. Là, je pensais que ça passait. 3 balles, ça meurt. Il meurt pas le suceur là?
Quoi ? Continuez. Cette station a été détruite. Bah attends, mais si tu me dis par ici tout ça pour me dire continuer, au bout d'un moment, laisse-moi faire mon travail toute seule. Change la catégorie de Steam. Ah, c'est pas changé. Attendez, je le fais, les gars. Half-Life 2. Merci, les gars. Il prend plus de plaisir que sur Terraria. Bah, y a pas photo, hein. Je suis désolé, mais... Attendez, qu'est-ce qui va se passer ici, déjà ? Bon, là... Voilà, c'est bien. Vas-y, remonte ta tête, toi. Ok, propre, c'est bon. On n'a pas pris trop de dégâts, c'est bien, parce que j'avais peur que tout m'explose sur la gueule, en fait. C'est parfait, là. J'essaye de jouer un peu diversifié là pour le spectacle. Faut canner, hein. Le nombre de balles que je te mets dans le buffet là et tu continues à courir comme un cabri. Ce jeu là a tout inventé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop là, parfait. Ouf. Je me rappelais pas que ah, ah non. Je me rappelais pas que c'était si long au début. Et oui, là ça glisse. Ah, attendez. Soyons intelligents deux minutes. Sucez. Mais sucez ça, pardi. Voilà, nickel. Normalement ça explose. Me faites pas mentir, hein. Le bowling des Bernacles. Ok, c'est bon, j'ai le succès, donc normalement c'est good. j'ai cramé. Ah, sérieux. Je sais pas si vous l'aurez la ref, mais... Ah. Classique, hein. Classique. Bon, arrêtez de m'exploser à la gueule, par contre. Ah oui, là, ça va être une galère sans nom. Putain, sur le buffet. J'essaie de me concentrer un peu, les gars, pour pas prendre trop de dégâts, parce que je crois qu'ici, c'est vraiment simple de mourir comme une merde. Ok, donc là, il faut que je fasse le tour par la gauche. Si je dis pas de bêtises. Nickel. Je crois que je suis plutôt bon pour l'instant. Oh, mais on a masse munitions! Ah, je pensais qu'on en avait beaucoup moins. Ah, et voilà, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que le moteur à la base, enfin à l'ancienne, c'était la folie. C'est que regardez, on pouvait se permettre enfin, dans les jeux vidéo, dans les FPS comme ça, de faire des énigmes avec le poids des objets, tu vois. Et ça paraît rien aujourd'hui, tu vois. Mais Half-Life 2, c'est quand même l'un des précurseurs de ce genre de truc. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous rendez compte, les mecs, mais c'est une dinguerie. Franchement, c'est ouf. Ça paraît con, je dis ça, alors que je fais une énigme avec des parpaings sur une planche. Mais rendez-vous compte, c'était fou à l'époque, mais ouais. Attendez, j'ai toujours pas pris le pli des sauts. Je dois me baisser en même temps. Pour pas les rater. Ok, ça c'est bon. Combien de jeux aujourd'hui utilisent la physique? Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, j'ai quand même pas beaucoup de souvenirs de jeux qui continuent à utiliser ce genre de délire là, tu vois. Merci Duc de Longueuil pour ton 7e mois d'abonnement et merci Turbo Léon pour ton 51e mois d'abonnement, c'est très gentil. Suffit de voir le speedrun pour voir les possibilités. Bah clairement, hein. Mais Bwix, je croyais que t'étais pas là dans l'émission, mais avec Link,
On avait fait un speedrun sur Half-Life 2. Et allez voir l'épisode, hein, il est sur la chaîne de Le Stream, celui-ci, je crois, par contre. Mais la run est super intéressante à voir. Hein. Alors, je sais plus où je dois passer, là. Je sais pas si je pouvais passer sur le côté, mais j'ai préféré être safe. Ok. Toujours fouillé. Ah les gars, j'ai regardé un stream du Godélire et j'ai cramé. Oh là 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 là. Pardon. Ah, je peux passer par là ? Aïe! C'est ici qu'il fallait passer? Ah, oh, je vais mourir! Oh. Attendez, je suis sûr que ça va passer là. Voilà. Là, c'est bon, là, on peut continuer. Je me pisse dessus. Pardon, les gars. Arrêtez tout. Oh, ça, si c'est pas dans le rewind. Mais c'est pas vrai. Ils sont partout. Il y a encore Brut derrière moi, là. C'est bon. Je vais pas la jouer méchamment, je vais déplacer les trucs. On reste gentil. On essaie de casser un minimum, quand même. Attends, mais lui, il canne pas dans la minute, lui. Au moins, vous n'êtes pas celui qu'il cherche. Je me rappelle plus. Si il a aucune chance. On dirait qu'il rallie toutes les brigades PC de Cité 17. Il bourre la région de Robolam. Allez-y avant qu'il fouille le coin. J'y vais. Oh, merde. Ah si, voilà, c'est bien ce que je me disais. Avec les robots pourris là. Mais pousse-toi! Ah, tu me bloques là! C'était une justesse. Bah oui! T'es dans mon chemin aussi, bouffon! Ah, attendez, il y avait un truc à ramasser là-haut, je crois. Voilà, ici. C'est quand même de prendre un maximum de trucs, hein, qu'on rate pas grand chose. C'est parti. Et on va bientôt sortir de Cité 17, je crois. Alors ça, les mecs, je sais pas si vous aviez fait Half-Life 2 sur la Orange Box de la Xbox 360 à l'époque, mais... Se débarrasser de ces merdes-là quand on jouait manette... Oh, oh la vache. C'était quelque chose, hein. J'attends que ça se calme. On est bon. Jouer à la souris à boule, c'était un enfer. Putain, c'est vrai que... Mais putain, c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand même, à l'époque, c'était le tout début. Hein, maintenant, on a des souris sans fil, les mecs, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On a des souris sans fil. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu le tout début de... des souris modernes, hein. C'est dingue, hein. J'ai l'impression d'avoir 67 ans, hein. J'ai connu les laserdiscs et les VHS, hein. Ça me fait mal au cœur de dire ça, hein. Bah, tu me prends pour un con, là.
Ok, pasta. Les écrans VGA, mais oui, mais je suis désolé, hein, mais moi je trouve que les écrans cathodiques qu'on avait sur nos PC à l'ancienne, c'était presque de meilleure facture que certains écrans qu'on a maintenant. Hein. Ah bah, d'accord, bon, elle voulait pas s'ouvrir. Oh! Bon, j'y vais ici. Oh, la musique. Donnez-moi une mitraillette. Ah. Eh ben voilà que demande le peuple. Y'a quoi là-bas? Oh, la musique, elle est incroyable. J'y vais, hein. Ouais, je sais, Excelsior. J'avais oublié qu'il y en avait un ici, là. Et on a une grenade en plus. Allez, c'est parti, là, les gars. Ça va défourailler sec, hein. Yo, boy! Help me! Oh, putain, mais les sons! Oh, les sons du jeu! Qu'est-ce que je dois faire, là? Je vais dans l'eau vite fait. Ah, il y a un truc ici, ok. Alors on va bientôt récupérer notre véhicule. Hein. Si je ne m'abuse. Je crois que c'est après. Hein. Je vais reprendre un peu de souffle quand même. Faut savoir que les zombies appellent à l'aide quand tu inverses leur cri. Oui, si vous mettez dans un logiciel de montage... tout ce que disent les zombies, vous entendrez « Help! Help me! God !» C'est assez effrayant. Il y a des vidéos sur YouTube, hein. Mais le faire soi-même, c'est drôle aussi, parce que c'est vraiment implémenté comme ça dans le jeu, quoi. On n'a rien fait du jeu, en plus, hein. Rien que le début, c'est Master... Rien que le début, c'est Masterclass... Oh, putain, mais brut! Attendez deux secondes, là! Attendez deux secondes, là! Rien que le début, c'est Masterclass comme ça. Attendez la suite, hein, vous allez voir. Ah putain, c'est pas ici que je dois passer? Parce qu'on vient de là, nous. On a fait tout ça. On vient de là. Ça fait du... Ouais, voilà, ça fait des dégâts, ça. Ok, propre. Maintenant. Est-ce que je détruis là, ou... Ah, il y a des trucs à ramasser. Regardez-le, les gars. Il a cramé, le boug. Ah, toujours la même rengaine. Ah putain, c'est jamais fini. Ah, ça va pas bien. On n'est pas aidé, hein, je vous le dis, moi. Allez, j'essaie de tracer. Oh, le bordel qu'ils font. C'est bon.
Allez, je me fais tirer dans le cul, là. Dépêchez-vous, les Thermomix. Allez, c'est parti. Oh, ah oui, je me rappelle de cette salle. Où est la menace? Voilà, elle est là. Je vais essayer de la jouer tranquille. Venez à moi. Oh, le stress, cette salle. Je suis mort tellement de fois sur console ici. Et il y en a encore en bas. C'est jamais fini? Ok! Hey, propre! On a fini ça au doigt en plus. Alors, par où qu'on va passer, ceci dit? Alors qu'on fasse tout péter? Attendez. J'ai une idée, mais je sais pas si c'est réalisable. Je veux juste essayer d'arnaquer le jeu. Bah, ça a l'air d'être possible. Hein. Attendez, je suis con. On vient d'où? Putain, il y a un truc là-bas. On peut aller le choper. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a réussi à passer ça. Sans exploser un seul truc, c'est déjà pas mal. Ok. Putain, je pensais... Je me rappelais pas que c'était aussi long ici, cette... toute cette phase-là. Il y a forcément quelque chose qu'on a oublié de faire, là. Ouais, il y a un délire avec de l'eau, ça je m'en souviens. Mais comment on va le faire monter? Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Et alors là... C'est la panne. C'est la panne brute. Parce que vu que les boutons... Il clignote pas dans tous les sens comme dans tous les autres jeux. Ah, voilà, il y a une valve ici. Faut juste pas que je tombe. Voilà, nickel. Merci Dermeus pour ton 4e mois d'abonnement, c'est gentil. Nickel. Et du coup, maintenant... Qu'est-ce que ça me permet de faire, cette histoire? Ça a pas ouvert, ça a pas ouvert là-bas, non? Je vais repasser dans l'autre pièce. Ah putain, il y en a d'autres. Je vais essayer de les éviter, ces cons-là. J'ai pas envie de me faire bouffer le cul par ça, c'est vraiment chiant. En plus, ça enlève vraiment beaucoup de HP. Par contre, on a des trucs à récupérer en dessous. Je vais essayer de le faire. Ah. Je sais plus à quoi ça sert exactement de faire ça, mais... Y a strictement rien, c'est juste pour avoir des plateformes pour monter là-haut en fait. Voilà. Parfait. Bah quand même, on s'en sort. Oh, que d'émotion. Je sais même plus du coup ce qui arrive après.
Je sais plus du tout si on... Si on sort maintenant ou pas. Ça fait tellement plaisir d'y rejouer, putain. Je suis pas déçu de mon choix. Hein. C'est quand même autre chose que de jouer à Terraria, hein. Je dis ça... Je dis rien. Bien sûr. Ok, on est bon. Je vais peut-être pouvoir... Ah putain, voilà. Voilà, combini. Ça ira. Putain, le bruit à chaque fois, il fait stresser ces trucs-là. Hein. Ouais, là, je vais pouvoir me faire plaisir. J'ai 200... Et j'ai même une bombe. J'ai même une bombe à utiliser sur le mitrailleur, donc on va s'en servir. Ah, ah bah, c'est le pire endroit. Ah putain, mais non, on a raté un objet. Bon. Et là, ça se gâte. Oui, bah je me doute, mais là j'ai pas trop le choix. Hein. Allez, être crabe. Hey, vous êtes Freeman, pas vrai? Hein? On vous a dit que vous veniez. Y'a pas de... Arrivé au mauvais moment. T'as mis dans mes souvenirs, y'en avait. Black Mesa est à station 6, vous m'entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Freeman descend le fleuve. Prêtez-lui l'hydroglisseur. Oh, j'étais certain qu'il y en avait à l'époque. Gordon Freeman est revenu. Il est essentiel qu'il arrive à Black Mesa Est. Ah, c'est dans le 1, c'est pour ça. On du coup. Mauvais souvenir. Prenez des munitions et filez. Merci. Bon bah alors là, fallait pas me dire ça. Hein. Le sound design du jeu, putain. Alerte ! Ils nous bombardent ! Qui ? Oula. Je ferai pas de blague, hein. Qui ? Qui nous bombarde ? Oh la vache ! Oh, yo boy ! Ah, première fois que tu vois cette transformation quand même. Bon allez, je te laisse te faire sucer tranquille, hein. Directement à la source. On est bon ? Me dites pas que c'est maintenant, Ravenholm, quand même. Non, c'est pas maintenant, dans mes souvenirs, c'est beaucoup plus tard. Ouais, voilà. Ça, je m'en rappelle bien. Ces monstres-là sont infâmes, hein. C'est qu'il faudrait que je désactive l'électricité en fait. Parce que là je vais me faire électrocute, hein. Non ? Aïe ! Mais c'est pas vrai ! Ah putain, je me suis fait avoir là. Ok, bon allez, je me barre de toute façon. Ah si ! C'est bon, je me rappelle, on va aller choper le petit go-kart là. Voilà ! Ah, Dr. Freeman, c'est moi. Vous viendriez. J'ai fait le plein de l'hydroglisseur. Il est merci Meos pour ton deuxième mois d'abonnement. Ça va être dur d'échapper à la protection civile au grand jour, mais en fonçant, ça devrait aller. Vous trouverez les renforts à la station 7, un peu plus loin sur le fleuve. C'est la vieille grange rouge.
Ok. Grimper ouais, merci. Et démarrer. Oh. Ah. Tant pis. Alors, accélérer, ralentir, tourner à gauche. Je me souviens que c'était une catastrophe, le... la conduite de ce truc-là, mais ça va me revenir, de toute façon. C'était une dinguerie, le premier open world, hein ? C'est autre chose que Mad Max, ça, hein ? Surtout que là, normalement, voilà, je peux descendre. Je peux descendre où je veux, hein. Alors, il va falloir que je m'arrête ici, là, justement. Merci, Tofu Zinzin, pour ton tir 1. Et les gars, on a un nouveau, là. On lui sert la paluche à celui-ci. Merci beaucoup pour ton tir 1, Tofu. Ça fait plaisir. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. Hein. Mais je crois que la... toute la partie avec le bateau, ça dure quand même un poil longtemps. Hein. Je me souviens qu'il y avait une sorte de boss à la fin. Qui était assez chiant. Mais on va voir. Je me souviens pas exactement combien de temps ça a duré, donc... Mais franchement, ça va. Hein. Dans mes souvenirs, ça se conduisait pire que ça. Hein. Je sais qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête pour faire une énigme un peu pourrie. Avec une écluse. Bah, c'est peut-être ici, justement. Ça, pour ceux qui ont la ref, qui était là au début, quand on a lancé le jeu, bah, c'est là le... c'est le menu. Wamanti 49 vous invite à rejoindre un groupe. Ah non. Ah non. Ah non, pas maintenant. En plus, je croyais avoir tout désactivé, là. Putain, j'ai pas vu le G-Man. Il est là ? Où est-ce que vous le voyez, le G-Man ? Ah, il était, là. Ouais, ok. On l'a raté, putain, je l'ai pas vu. De toute façon, il y a d'autres occasions, on va le voir. Merci pour la pipe, papa. Ah putain, j'ai oublié qu'il faisait... j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Ah putain, je me suis fait avoir. Oui, bah, je suis là, mais... qu'est-ce que je vais devoir faire, là? Je peux le faire tomber, ce truc-là? Ah, il y a une échelle là-haut, j'avais pas vu. Bon, les phases de recherche, hein. C'est jamais passionnant, mais ça va, c'est pas trop compliqué dans Half-Life. Oh, putain! Oh, le sale con. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Avec ça? Allez, sors de là! C'est pas ici que t'es censé aller, mon con, hein! Bon, ça passe quand même. Ah, mais c'est du full bonus, en plus! J'en avais même pas besoin! Bon, c'est toujours ça de prix, tu me diras. Merci, MRSAI, pour ton prime. Non, le level design, c'était une dingue, hein. Ça vous plaît, Je suppose qu'il y a des mecs qui étaient pas là, enfin, qui m'avaient dit au début du live qu'ils connaissaient pas. Ça vous plaît? Merci Gauthier pour ton deuxième mois. Vraiment sympa. Oui, oui, oui. Bon, bah, vous allez kiffer le let's play, hein. Je suis content que ça vous plaise. Le G-Man, c'est un... bah, tu te rappelles le perso qu'on a vu au début qui nous disait « Bonjour, monsieur Freeman. Réveillez-vous. » C'est lui, le G-Man. Merci beaucoup, Snow, pour ton Prime. Merci, Selfable, pour ton deuxième mois d'abonnement. Resignature de contrat. Eh ben, si vous connaissez le jeu que vient le speedrun, c'est l'occasion de le voir en vrai. Attends, il y a Brut là-bas. Il y a une meuf avec des caisses. Ah, mais attends! Vas-y, donne! Attention en dessous. Merci beaucoup!
Alors, une autre énigme à la con. Ah oui, ok, je m'en rappelle. Faut que je j'alourdisse ce qu'il y a en dessous pour que ça relève la plateforme. Bon, allez. Brut. Combini. Voilà, merci les gars. Ça ira plus tard. Mais c'est qui le G-Man ? C'est le grand méchant loup du jeu ? C'est une figure emblématique du jeu. On peut pas dire que ce soit vraiment le méchant non plus, parce que t'as l'impression que des fois il aide Gordon. On va dire que c'est le... Je sais pas si t'as déjà fait Fear, First Encounter Assault Recon, mais c'est un petit peu une figure emblématique du jeu qui revient à plusieurs endroits. On sait pas vraiment en fait. C'est ça qui est un peu bizarre avec le G-Man. Tu sens que ce qui l'intéresse c'est son propre business, mais tu sais pas ce qui trame en fait le mec. C'est ça qui est intéressant avec le perso, c'est qu'on... On en a jamais vraiment trop su sur lui, tu vois. Allez, hop, 3. Et du coup, il m'en manque 1. On va pouvoir passer, je crois, là. Ouais, Half-Life 3. Mais après, bon. J'ai pas envie de vous spoiler si vous l'avez pas fait, mais... D'après ce qui se passe dans Half-Life Alyx, bon. C'est plus ou moins implicite hein, qu'il y en aura un 3 un jour. Hein. Explicite plutôt. Ah, et là on va nous emmerder. Là ça va être le bordel. Moi j'y crois en tout cas, j'ai envie de voir un Half-Life 3 donc j'y crois. Alors toi ! Oh là, ça commence à se conduire comme de la merde, là. C'est les caisses à savon Red Bull. Ça, c'est que j'ai pas de boubou dessus. Hein ? Quoi ? Ah, putain. Allez, Gordon ! Vas-y ! Ouais ! Allez, ça c'est fait. J'ai testé par hasard, je savais pas que c'était possible ça. C'est incroyable. Putain, 2004 ce jeu, mais c'est ouf. Hein. Ça vous fait débander d'un coup quand même. Hein. Je sais pas s'il y a un mode pour patcher ça, mais... Je crois pas que ce soit possible. Je vais essayer de faire pareil, je sais pas si ça marche aussi, mais... Ouais, si, ça marche. Putain, c'est ouf, j'avais jamais testé ça. Ah, voilà l'écluse. Alors, est-ce que c'était là, ou... Putain, je me rappelle plus si c'était là, je crois que c'était un truc un peu plus serré. Quel plaisir de te voir jouer à Half-Life 2, une perle. Mais franchement, et merci d'être autant, les gars, parce que je suis content de vous faire découvrir le bousin, parce que ça remonte tellement de souvenirs, ce jeu-là. J'espère que ça va vous plaire. Ah. Ah bon, en fait, fallait juste aller ici, ok. Ok, donc là, c'est good. Il y a des bestiaux, là, j'ai entendu des head crabs. Ouais. Il y a bien des... Le mec a cramé. Il a cramé. Ah putain, ils sont forts. J'ai pas envie d'aller trop vite en fait. Grenade. Putain, j'en ai une. Heureusement que j'ai dit que je voulais aller doucement. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, les gars, mais c'est rarement possible de faire de... C'est rarement possible de faire de l'infiltration dans le jeu. Hein. En général, vous vous montrez un pixel, les ennemis vous sautent dessus. Hein.
Putain, mais même ça, là, le fait que ça, ça prenne feu. Ça se soit pété la gueule. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez. Ah! Attendez, les gars, je réponds au cas où. C'est important. Rien compris. Je lui ai dit de rappeler demain parce que je travaillais, mais j'ai rien compris. Hein. Rien compris. Ouais, je pense qu'il a cramé. Je pense qu'il a cramé. Hein. Je verrai demain hein, si ça se trouve. C'est peut-être un crypto bro qui m'offre beaucoup d'argent, mais j'ai rien compris. C'est même pas du CPF. Donc là, ça m'a paru bizarre en fait. Bon, allez, c'est parti. Ah non, pas ça! Pas ça, pas ça! Je vais quand même essayer de pas me faire... Ce serait con qu'on meure, quoi. Ouais, j'ai pas le réflexe de me servir des grenades aussi, ça c'est pas bien. Ça sont grave puissantes, les... Tous les explosifs dans le jeu en général. Tiens, bah. Je dis ça. Ouais. Ah putain, elle a fait prout, ma grenade. Je pensais qu'elle était un peu plus efficace et ça a rien fait du tout. Mais attends, mais... J'ai l'impression que le doubleur des gardes, c'est le même doubleur que dans Dirt 2.0, là. J'ai l'impression que c'est le mec qui me disait flèche, ronde, droit, droite, 50 mètres. Ciel, but. Hein, j'ai l'impression que c'est exactement la même voix. Ah voilà. Ah, là, vous m'aidez pas, les gars. C'est complètement cané, là, cette histoire. Ah, ah, ah. Bam! Ah, ah non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok. Allez, on se barre de là. Je m'attendais pas à ce que ça déclenche cette merde-là. Allez, brute qui encore veut m'interviewer. Laissez-moi tranquille! Oh putain, alors toi. M'emmerde! Allez, c'est toujours ça de prix. Au moins, c'est ouvert. Je me barre d'ici. Ah putain, j'avais pas vu. On a plus du tout de bouclier, là. Ça va être la merde, hein. Ah putain. Ça va vraiment être la merde, hein. Ah putain. Quand même. Ok, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins bon. Le seul truc qui manque vraiment, c'est de la vie. On a fait un peu les fous là. Oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va en trouver après de la vie de toute façon. Tiens. Attends, je crois que j'en ai oublié un. Ici. Voilà. Allez hop, on continue. Et du coup, il y a un truc vraiment dont je me souviens plus.
Oula, oula, oula. Oula, oula, attends deux secondes. Il y a un truc dont je me souviens plus, c'est... Je crois que l'aéroglisseur, on s'en débarrasse à un moment. Et on le retrouve plus tard, non? Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah oui, voilà, c'est le 4x4 après. Oula. Vous avez raison. Aïe. J'ai perdu ma vie là. Hein. C'est pas tout à fait simple là. Vous me rendez pas la tâche simple. Ok. J'ai 42 vies. Ça pouvait pas moins bien se passer. Alors. Juste qu'on soit d'accord sur le projet, là. Il y a des trucs à ramasser ou c'est juste un petit truc bonus? Ça m'a l'air d'être un truc bonus. Allez, les vivres, là. Ah, bah là, on discute. Merci, c'est tout ce que je voulais. Ça, ça se brisera jamais, c'est sûr. Hop là. Franchement, on se démerde bien pour l'instant. Hein. Je pensais pas du tout qu'on irait là aussi vite. Ah, voilà. Ah, c'est ça, le délire de l'écluse. Du coup, maintenant... Ah, c'est là que ça pue la merde. Là, ça sent la crotte. Ouais, là, ça sent la crotte. Je me rappelle plus. Oh putain, le magnum! Ah putain, ça, c'est trop... It's 12 o'clock! Putain, il y a tellement une impression de puissance avec ça. Par contre, j'ai plus de lance-patate. Hein. Je vais rejouer avec le magnum. Il est où? J'ai 6 balles. It's 12 o'clock! It's high noon! Ok, bon. J'ai compris. J'ai pas envie de canner ici, les gars. Oh! Je crois que ça tient. Ou alors là... It's high noon. Ah! Ah! Et oui, ça se déplace. It's high noon. Aïe. Allez, viens là. T'es où, mon salaud, là? Oh là, je suis trop con. Oh, je fais de la merdasse. Attention, trick shot! Oh putain, attendez, je le refais. Pouah! J'ai 37 de vie par contre. Ah bah j'essaye de jouer un peu en mode spectacle, hein, mais... Ah c'est bon, on a repris de la vie au moins. Je pense que je vais en rechoper là-haut de toute façon. Ça c'est que c'est tellement kiffant à jouer le... Oh putain. Oh putain! It's high noon!
It's High Noon! It's High Noon! Voilà les mecs! Ne pas me faire chier moi. 51 points de vie, ça va être catastrophique pour la suite, hein. Ah, le son de cette arme est... Oh putain, parfait. C'est tout ce que je voulais, ça. En plus, ils ont été bien généreux. Ah putain, le bâtard. Ah la vache, putain, mais il touche de si loin. Ah, oh, le screamer. Bon. M'emmerde. Alors, c'est pas ma guerre. Tu vas nous laisser tranquille un peu là. Oh là là. Toi. It's High Noon. Il est midi. It's 12 o'clock. Voilà. On est bon. On se barre de là les gars. Je veux plus rien avoir à faire ici. Eh, hey, petite, un petit peu de stress, hein. Mais ça va, ça s'est bien passé. J'ai pas la ref, tu tapes « It's 12 o'clock » sur YouTube et tu vas voir. Ah ! On va canner. Je pensais qu'il me laissait des... Bah ouais, mais je pensais qu'il me laissait des cadeaux, des Kinder Surprise. Ah putain, ça c'est les lots qui ont été renvoyés, ça. Quel bâtard. J'ai pas de boubou sur mon truc, là. Laisse-moi tranquille. Mais attendez. Bon, je vous poserai une question après pour les connoisseurs du jeu. Parce que du coup, j'en ai plus le souvenir. Ok, il va m'emmerder longtemps encore. Il est où ce con? Il est là. Oh, la musique! Banger incoming! Merde! J'essaye d'éviter autant que je peux, hein. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Non, non. Il va me retourner le buffet. Ok, c'est bon. Ça devrait le faire. J'ai 57 de vie. Faut pas que je prenne trop de dégâts là, parce que sinon ça va vraiment mal se passer pour ma poire. Hein. Bien Hugo. Très bien. Le karma encore, hein. Oh la débandade.
Allez, c'est pas fini. Putain. Allez, des fois c'est un peu capricieux ça. Hein. Ah bah oui, sur le buffet, sur le coin du nez. Sur la truffe. C'est bien ça que je dois faire ? Oh, je ralentis exprès pour pas me la prendre. Donc, j'en prends encore une, je crois que je suis mort. Hein. Je sais même pas si c'est des mines de proximité. Oh putain de merde. Je sais pas si je vais vraiment au bon endroit là, hein, mais... Sauvegarde pour pas tout recommencer. Non mais ça devrait le faire, je pense. Il y a des sauvegardes auto, je crois, sur le jeu. Non, je pense que ça devrait le faire. Oh ah ah. Par où que je dois passer, là? Voilà, un petit peu de vie. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Est-ce que je suis censé m'arrêter ici ou... Ça me dit rien cet endroit. C'est optionnel ouais. Il va falloir qu'on reparte direct. Hein. C'est juste que j'aimerais bien voir dans quelle direction. Ok là-bas, il y a une porte. C'est parti. On torpille! On me torpille la gueule! Arrêtez! Oh là, oh là, c'est split seconde! Ah bah oui, je suis bloqué là! Oh non! Oh, c'est du jamais vu! C'est du never seen before! Mais je peux plus rien faire là! Je peux même pas sortir du bousin! Bon ça va, pas trop loin. Ah putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Même la première fois que je vois ça. Hein. Bon, heureusement on démarre pas trop loin. Merde, c'est là. Allez, vas-y, encore un coin sur la truffe là. Je vais refaire un arrêt au stand hein, pour me soigner et tout, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Ah bah oui, bah là je peux l'éviter là. Ouais. Ok. Allez. On le fait. Qu'on reparte sur des bonnes bases. Et je vais sauvegarder maintenant. Comme ça au moins on aura une save ici. On aura pu le refaire. Ah c'est une world premiere. Franchement je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Hein. Même si j'avais voulu le faire, je pense que j'aurais pas pu. Allez, sauvegarde. C'est parti. Hop là. Bon, alors du coup, où c'est que je vais? J'attends. Alors il aurait peut-être fallu que j'aille encore plus vite, je sais pas, j'ai pas compris. C'est bizarre. J'ai pas le souvenir que ça m'était arrivé en fait, à l'époque. Putain les enculés. Ok, sortie d'affaires. On est bon là. Enfin je crois.
Ah, on a encore une énigme à la mort moelle-neuve. Et ça, c'est avec encore une écluse. Ça me dit un truc, cette histoire. Ou alors, c'est encore un truc optionnel, je sais pas. Attendez, il y a une échelle là-bas. Attendez, je vais essayer d'aller voir là-bas déjà. Bon, ah voilà, c'est râpé. C'est accroché à ça de toute façon. C'est ça qui gêne? Faut peut-être que je garde mon bateau ici, non? Je me rappelle plus. Merci Nagato pour ton 6e mois. Je crois que foutre le bateau ici, ça me dit quelque chose en fait. Je vais le mettre là. Ah bah non en fait. Le tiering dégueu, j'y peux rien les gars. En fait, j'ai mon... Je le répète, hein. J'ai mon PC de jeu qui est relié à mon PC de stream par une carte de capture et j'ai l'impression que vous avez du tearing que moi j'ai pas. Et je sais pas comment faire en fait pour l'enlever. Ça soulève le bousin. Ça soulève le truc. Alors du coup, faudrait peut-être que je mette un max de trucs ici. Bon, attendez, je vais aller voir là-bas, du coup. Parce qu'il y a une échelle, là. Ah voilà, il y a une machine à laver là. Tu vas pas me dire que ça va pas servir. Eh oui, il faut que je le pousse. Voilà. Et ça suffit. Geronimo ! Super. 1 km/h de plus, hein. L'arnaque. Ah. Hey, c'est Freeman, pas vrai? Eh ouais, c'est bien moi. C'est moi, je dois être en train de rêver. Le docteur Gordon Freeman en personne. Exact. Eh, hey, on a fini en fait. Oula. Quand même. On est chez les potes là, hein. Essaye de pas tout détruire, Gordon. Ah putain, l'ambiance ici, elle est... Merci! Attends, je pique un peu votre stuff quand même. Vous avez l'air d'avoir 2-3 trucs qui sont plutôt intéressants. Est-ce que si je l'emmerde, lui, ça fait... Il a pas de voice line, lui, quand... Ah non, il en a rien à foutre. Ah, je voulais réessayer le glitch. T'es bon? Regardez un peu ça. Voilà le barrage, un peu plus loin. La cachette d'élite à quelques pas de la piste, dans la vieille centrale hydro. Mais l'atteindre avec cet hélico à nos trousses, c'est presque impossible. Bonne nouvelle, le Vortigant a fait des merveilles sur l'hydroglisseur. Il sera plus puissant en poussée. Ah. Je pense qu'il a presque fini. Sans voilà. Parle mal, hein, cet enculé. C'est bon, t'as fini là, ta popote? Cette arme est tombée d'un des hélicos ennemis. J'aime bien les petites pointes d'ironie pendant le combat. Dégommez cet hélico et vous pourrez retrouver Ellie. Si le Freeman n'accepte pas cette arme, la route qui l'attend sera intolérable. Mais j'ai pas le choix, de toute façon. Je n'ai pas le choix. Je peux ou pas là le tester? Ah, merci.
Voilà. Et alors là, ouï, je crois qu'on va se taper le boss hélico du coup. Ça va être une catastrophe. Merci Firl pour ton prime. Affronte-moi. Bon, il prend cher, hein. Encore une music banger, les mecs, hein. Oh, le bâtard. Ça dégage. Ah, mais j'aurais pu passer direct, en fait. Ah ! Attendez, les mecs ! J'aurais pu y aller, en fait. Je sais pas si ça marche, ça. Allez, hop, ça dégage. Adieu la racaille. Oh, elle est trop bien, cette séquence. J'avais oublié ça, hein. Incroyable, cette séquence. Trop, trop bien. Et putain, le temps de chargement qui me fait débander d'un coup, là. Petite munition. Ils font mal, ces cons-là. Tu sais, c'est que je crois que je peux vraiment pas les détruire, ces trucs-là. Je crois que ça lui a rien fait du tout, hein. Il y avait le G-Man, vous l'avez vu? Il y avait le G-Man à gauche. Va falloir faire un clip et regarder au ralenti, les gars, si vous l'avez pas vu, mais... Oh, putain. Merde. Il était à gauche, là, sur la plateforme, de l'autre côté. Oula, 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 oula. Mais qui est pasta là? Oh là 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 là. Comment veux-tu que je passe là, moi, dans cette histoire? Je peux? Ah oui, mais ça brûle. Il fallait juste se dépêcher, ok. Allez, un petit coup à droite. Et on est bon. Vous le voyez ou pas sur le clip, les mecs, le G-Man? On l'a vu vraiment super rapidement, hein. Et du coup, bah ça, pour ceux qui n'avaient pas vu tout à l'heure... Quand il est apparu la première fois, ça arrive à plein de moments aléatoires du jeu. Et c'est un petit easter egg de... A chaque fois, il y a ça, quoi. Attends, je vais canner, là. Mais ça l'explose ou pas, ce truc-là? Et donc là, il est mort. J'ai l'impression que ça fait aucun dégât, mes trucs. Voilà, ça c'est bon. Faut que je fasse le tour et que j'aille ici. Mais par où je passe? Là-dedans? Putain, allez. Ça paraît tellement improbable, mais en fait c'est ça. Attention! Oh là là là. Geronimo! Wouhou!
Allez, ça c'est fait. Dans l'autre sens. Ah, j'aurais peut-être dû aller par là en fait. C'est pas grave. Ok. Je sais plus quand est-ce que c'est terminé la séquence du coup en glider. Oh, bah ce serait pas là. C'est pas l'arène du boss ça? On dirait hein. Oh oui, on dirait. Je crois que c'est ça. Mais ça va là? Putain le bordel! Putain, j'ai plus de munitions. Faut canner hein! Oh le bordel! On va pas y arriver, c'est pas possible! Putain! Merde! C'est bon, il est cané! J'ai plus beaucoup de santé, hein! 33, hein! Nickel, ça c'est fait. Alors je sais plus s'il faut aller par là. Dans un coin ici. Tu vas aller checker ici. Ah, ça m'a tout l'air d'être là-bas. Hein. Ouais, de souvenir aussi, c'était plus galère. Pourtant, j'ai mis le jeu en normal, hein. Je crois que je l'avais fait en facile à l'époque. Sur Xbox 360. Allez, on ouvre. Et c'est good. C'était surtout les bombes. En vrai, quand tu te mets à bonne distance et que tu le snipes, là, c'est parfait, hein. J'ai mis pas mal de dégâts au début du fight avant qu'il fasse les bombes, ça nous a pas mal aidé, je pense. Et ben voilà. Attendez, je vais checker ici. Ça me dit rien du tout, cet endroit. Ça me dit strictement rien. De toute façon, je peux pas aller plus loin avec l'aéroglisseur. Merci beaucoup, Moula Gaufre, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je sais pas si je t'ai remercié aussi, Kale. Merci, c'est très gentil pour vous, sub et resub, les gars. Très généreux. Putain, je kiffe, hein. C'est l'heure. Il est midi et demi. Il y en a encore à côté. Nickel, on a des lance-patates aussi. Ça, c'est bon. Et on a un truc à faire là. Ça, en fait, j'ai l'impression que c'est une zone optionnelle. Ouais, je vais sauvegarder, ouais. C'est pas con. Merci Axos pour ton prime, les gars. On lui serre la main à la nouvelle recrue, là. Merci beaucoup. Alors, du coup... Comment que je dois faire, là, mon coup? Je suis obligé de le laisser là, l'aéroglisseur? Là, l'hélico est mort. Faut peut-être que j'ouvre, du coup, une autre porte plus loin pour reprendre l'aéroglisseur, je pense.
Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Hein? Ah, attends. Je suis con aussi. Ça s'ouvre ou pas là? Ah, il va falloir qu'on fasse un coup de tremplin ici. Ok. Bon, c'est pas la meilleure des options. Mais on n'a pas trop le choix. C'est parti. Le nombre de souvenirs que ça fait remonter, le plaisir d'y jouer et se rendre compte à quel point le jeu est toujours un banger presque 20 ans après, c'est quand même des bonnes sensations. Hein. Moi j'aimais bien quand t'avais les petits moments de calme comme ça dans le jeu. Juste après avoir fait un truc de ouf comme ça là. Ça arrive plein de fois dans le jeu. Bon du coup, c'est ça que je dois faire? Ça m'a l'air, hein. Allez, allez, oh, allez, allez, ah, c'est bon, les mecs. Putain, le temps de chargement qui est toujours au bon moment. Hein. Toujours là au bon moment. Ok, direction à gauche. Et on est bon. Musique du jeu. Ressortez-nous un putain d'Half-Life, hein, Valve, s'il vous plaît. On a quelque chose. Mais c'est Gordon Freeman. Ok, c'est humain. Y a quelqu'un? Mais c'est moi. Vous ne craignez plus rien. Désolé pour le scan, mais on ne peut prendre aucun risque. Docteur Freeman? Oui? Gordon Freeman? C'est bien vous? Ça fait toujours cet vous effet. Vous êtes allé tellement vite. Ellie va être stupéfait, pour ne pas dire soulagé. Je suis le docteur Judith Mossman. Non, pas en entier, le Half-Life VR, justement. Avant l'incident de Black Mesa. Oh, Black Mesa. Je vous envie d'avoir pu travailler avec Ellie et le docteur Kleiner au sommet de leur art. Arrêtez, je vais rougir, madame. Ah. Ça y est, vous pouvez avancer. Mais allons voir Ellie tout de suite. Il ne me pardonnerait pas de vous avoir fait attendre. Saleté. Oh putain, j'ai réussi encore. Un peu plus. Oh non. Ah. Ah oui. Tu m'as pris. Oh, c'est vrai? C'est... Fais voir. Mais je sais pas d'où ça vient. Tu l'as là? Oui. Enfin, en bas. Ah. Il y en a combien? Il y en a 12. Oh. Mais c'est des mini, ça, c'est pour. C'est des petites saucissons. Des saucissonnettes, ils appellent ça. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, j'y goûterai tout à l'heure. Je sais pas si c'est à Carrefour City, j'ai pris. Oh. Attends, je vais le montrer. Hé, hey, regardez ce qu'elle m'a acheté. La Colomba classique. Pas loco. Oui, oui, c'est quand elle va marcher. Mais quand même, elle m'a acheté 12 petits saucissons à des goûts différents, plus una Colomba classique. Oh là 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 là. Alors ça, moi qui adore le panettone, ça va partir vite. Hein. Bon, vous comprendrez bien que je vais pas en manger tout de suite. Mais là, la Colomba classica, il y a marqué 8 parts apparemment. Bon, moi, ça va partir en 5, hein. Ouais, vous pouvez écrire Ugro, là, c'est accurate. Elle est mignonne, hein, Emmanuel, elle est mignonne. Ben ouvrait, allez, c'est parti. Nous avons bien avancé ces derniers mois, mais tout irait plus vite si nous avions plus de personnes de notre expérience. Nous approchons d'une technologie de téléportage local fiable. J'ai l'impression que ça marche pas à télécoup, hein.
Ellie pense que leurs portails sont basés sur des chaînes, comme notre modèle Calabio. Mais ils n'ont pas pris en compte le principe d'énergie vide. Ils peuvent s'infiltrer de leur univers, mais une fois ici, ils dépendent des transports locaux. S'ils savaient ce qu'on fait des accrochages... J'ai pas tout compris, hein. Mais qu'est-ce que je dis, moi? On dirait une étudiante. C'est juste que je suis tellement contente d'avoir enfin la chance de travailler avec vous. Je suis flattée tout autant, madame. Ah oui, le docteur Kleiner a pu comprimer le relais Xen bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer à Black Mesa. Nous savons comment utiliser les Xen comme axe inexprimé. En réalité, regardez, c'est les esclaves. On pourrait faire le tour de la zone frontalière et revenir dans l'espace local sans traverser. Ah, parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, voilà Ellie. Les aliens là dans le 1, c'était les méchants en fait, t'en tuais pas mal. Et là, c'est Ellie, devenu les Rey. Gordon Freeman, laissez-moi vous regarder. Mon Dieu, mais vous n'avez pas changé d'un iota. Comment faites-vous? Eh ben dis donc, pirate. Voyons, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai envoyé chercher de l'aide à la cascade de résonance. Ah, mais ça, mais c'est un easter egg, non? Revenir. Bienvenue au labo. C'est la patate de... C'est la patate de Portal. Avant que Portal sorte. Ou alors la patate de Portal est un easter egg de ça. On dirait la patate de Portal 2. Non, c'est un ennemi qu'ils ont pas mis dans le jeu au final. Ok, d'accord. Ça ressemble quand même énormément à la patate de Portal 2. Hein. Oui, bon, ça va, là, la suceuse. On a compris, on a compris. Allez, va-t'en, e-girl. Merde. Et là, j'ai réussi. J'y comprends pas. Enfin, j'y comprends rien. Si j'y comprends pas, bon, c'est... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, du coup? Je tripote tous les boutons, là? Sans vergogne? Ah, putain, je peux pas me barrer, en plus. Vous allez m'ignorer longtemps? Oh, Alix! Les Vortigants t'ont dit que vous étiez là. Je n'y crois pas. Ellie, pardon. Vous êtes venu si vite hein à pied. Ah non. Il a battu ton Alix. Record, ma puce. Oh, il l'a bien mérité. C'est clair que vous pouvez gérer la situation tout seul là-bas. Il n'y a rien que Gordon ne puisse gérer. À part toi, peut-être. Oh, papa. Oh, je vais gérer. Vous l'entendez? Je vais la gérer, celle-ci, là. Plus vite. Mais il faut que je fasse... J'ai l'impression que vous m'ignorez depuis tout à l'heure. Je suis à une réunion de famille et j'existe pas, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ils en ont rien à branler. Hein. Ils en ont rien à foutre de ma gueule. Le docteur Breen, c'est lui l'administrateur de tout ce commerce ignoble. Il a négocié la reddition de la Terre pour mettre fin à la guerre. Le cartel l'a alors rendu puissant. Il est venu m'agresser comme ça... C'est tout? Vous vous rappelez d'Asian, ma femme, pas vrai? Mais il va me casser les couilles combien de temps, lui? Et Alix, voilà tout ce que j'ai pu emporter de Black Mesa. On a presque réussi à faire marcher ce portail. Mais je ne vous en voudrais pas si vous n'êtes pas volontaire pour les prochains essais. Si tu continues... Oh, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Alix ramène toujours des objets étranges. C'est pas vrai. Il est dans son monologue, là. Ah! J'ai entendu une porte, là. Alix? Sortez-moi de là, s'il vous plaît, là, c'est... Les Vortigons t'ont... Je me sens pas bien, là. Je viens voir Gordon. De toute façon, je devrais être ici à travailler sur le portail. Les réparations sont sous contrôle. On a sous-estimé le thyristor du cartel. Vous m'accusez, là? Non, pas du tout. C'était une erreur de calcul. Bad bitch. Mécanique. Alors, la prochaine fois, vous devriez peut-être me laisser faire les calculs, en plus de l'installation. Franchement, Alix... Bien envoyé. Vous faites exprès de ne pas me comprendre. Alix, pourquoi n'emmènerais-tu pas Gordon s'entraîner sur le pistolet antigravité? Ah! Venez, Gordon.
Gordon. Voilà, enfin, le Gravity Gun. Le champ énergétique 0.0 n'est pas un jouet, Alix. Sortons d'ici. Merci, Jakku, pour ton 11e mois. Bientôt une année. Merci beaucoup. On va avoir le Gravity Gun, les mecs. Quand même. Je vois que vous avez rencontré le docteur Mossman. C'est surtout à cause d'elle que je passe tant de temps dehors. Pourquoi ça ? Je l'entends quand elle dit que c'est elle qui aurait dû être dans la chambre de test de Black Mesa ce jour-là. Pardon, je ne devrais pas parler dans son dos. C'est juste qu'on est un peu à l'étroit ici. T'as raison, va. Tu peux bitcher sur elle, moi j'adore ça, y a aucun problème. Ah ! On ne va plus là-bas. Ah bah moi je vais être obligé d'y aller, hein. Si vous connaissez pas les gars Ravenholm, je vous invite à rester un petit peu, ça va être stylé. Comment techniquement il y a du tearing sur le stream ? Ah bah j'ai déjà expliqué tout à l'heure, Walker, c'est que en fait mon... Si tu veux, mon PC de jeu est relié par une carte de capture à mon PC de stream, et je sais pas pourquoi, sur la capture, j'ai du tearing. Je sais pas pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi, j'essaierai de chercher sur des forums ou sur YouTube s'il y a des tutos, mais... C'est vrai que c'est chiant, parce qu'il y a des jeux où ça le fait pas, j'ai l'impression. Synchronise les IPS. Oui, mais ça voudrait dire que du coup, je dois jouer en 60 images secondes à tous les jeux. Alors que bon, l'intérêt justement d'avoir fait ce setup là, c'est pour pouvoir jouer avec des FPS illimités. Donc je sais pas comment faire. Bon, nous y voilà. La casse. Mais c'est pas si dérangeant que ça, les gars, on est d'accord. Plein écran fenêtré. Vous voulez que j'essaie ? Ah ! Vous en avez plus là ? Voici le pistolet antigravité dont mon père parlait. C'est bon, non ? On l'appelle aussi manipulateur de champ énergétique. Merci les gars, si on préfère. Pour l'astuce. En plus, moi j'ai gagné des FPS. C'est une matière dangereuse. Mais on s'en sert surtout pour porter des trucs lourds. Essayez. Ouais, il y en a carrément moins qu'avant quand même. Merci Alix. La première gâchette envoie une décharge. Vous pouvez tirer un truc et l'envoyer valser. Putain, ça c'est trop bien. C'est pratique pour nettoyer les champs de mines. Ah ouais. Et C'est quand même hallucinant à quel point Valve ils ont que des idées de ch'tarber, hein. La deuxième gâchette permet d'attraper des trucs. Entre ça et le portal gun, c'est... Quelque chose, appuyez sur la deuxième gâchette pour le déposer doucement. C'est ouf à quel point en fait c'est une idée de game design et de gameplay qui carie le jeu. Alors qu'aujourd'hui c'est plus la longueur du jeu, le contenu, la DA qui carie la plupart des jeux, quoi. Je trouve ça hallucinant quand même. Vous pouvez aussi tirer des trucs de loin. Essayez. Oh, c'est une dinguerie, putain. J'ai oublié à quel point c'était si jouissif. Qu'est-ce que tu veux ? Piler des trucs pour grimper. Attends, je vais faire ça plutôt. Essayez d'empiler des trucs. Ouais, 2 secondes. Attrapez un truc avec la deuxième gâchette, puis appuyez de nouveau dessus pour le déposer en douceur. Ah voilà. D'accord. Une époque de fou furieux. Ah non, mais franchement, vous vous rendez pas compte, hein. Ah, avec chien. Putain, je me rappelle de ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a, attendez, toi ? J'appelle chien. Il adore ouais. Jouer à la balle. Allez, viens ici, chien. Merci, chien. C'est pas moi pour ton okay. Deuxième mois. Merci beaucoup. Viens donc là, toi. Bon chien, chien. Gordon, c'est chien. Papa l'a fabriqué pour me défendre quand j'étais petite. Le premier modèle était à peu près... Ça me rappelle, je crois que c'est dans le Half-Life 2 épisode 2, du coup, qu'on voit pas le mal, chien, il nous aide pas mal...
Il y a vraiment des scènes de fou avec okay, lui. Ok, chien, on va jouer avec Gordon. Il faut le pistolet anti-gravité. Bah je l'ai, hein. Allez, chien, lance. Faut que je le rattrape, c'est ça? Hop là! Tu veux que je te le lance? J'attends un autre chien. Bam! Encore un chien. Hop! Excellent. Tiens, Alix. Chien, va chercher ta balle. Quelle balle? Putain, j'avais oublié que c'était ça, sa balle. Mais ça, par contre, je peux pas le choper, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bug ou c'est... Ah! Mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça! Attends, chien! 2 minutes! Je veux pas me coucher sans... jamais y arriver. Et tu vas me laisser tranquille? C'est impossible en fait cette histoire. Ah si, peut-être. Non, on va jamais y arriver. Bon, tu m'emmerdes là. J'étais presque. Merci bien. Bâtard. Et si tu me la chopes quand ça rentre, ça va mal se mettre par contre, hein. Je vais jamais y arriver. Ça donne un succès, il me semble. Bah, à ton avis, pourquoi j'essaie de le faire? Jette le chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, chien. Ah non, pas ça! C'est vrai que le doublage d'Alix, on en parlait tout à l'heure, c'est pas ça. Des scanners! Non, mais je voulais juste. Non! Oh! Je l'avais! Laissez-moi faire mon panier, putain! Mais putain! Ah, les emmerdeurs, les emmerdeurs! Ah putain, je sais que je suis à ça. Je réessaye 2 fois. Allez, on va rentrer à l'intérieur. On va se faire repérer. Ouais, bah c'est un peu tard, hein. Ils m'ont vu jouer à la balle, là, Alix. Hein. Papa, c'est Alix, tu m'entends? Alix, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Où es-tu, Alix? Nous sommes dans le sas de la casse, coincés en plein cycloto. J'espère qu'il y a une sauvegarde automatique. Il est là. Bien, je voudrais que vous... Papa? Emmène Gordon, allez vers la côte. Ne passez pas par Ravenoff. Papa? Papa? Bon sang, chien. J'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin. Vite, maintenant. Casse-la s'il le faut, mais ouvre-la. Oh, le doublage. Ferme-la 2 minutes. Chien, ça suffit. Je peux passer, là, chien? Allez, Gordon. Merci bien. Venez. Merci, chien. Ah! Alix! Ma petite beauté! Gordon, il faut que vous partiez d'ici. Je ne peux pas laisser mon père. Chien, emmène Gordon au tunnel de Ravenholm. Puis tourne autour et rejoins-moi. Ah. Et voilà, tu m'amènes au casse-pipe, espèce de vieille bouffonne. Super. Bon bah merci, hein. Enfin... J'ai bien compris. Il y en a rien à foutre de moi. Merci Armoda pour ton 2e mois d'abonnement. Bon bah les mecs, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Ravenholm.
La dinguerie. Et lui, je peux vous dire qu'il a pas cramé. Allez, c'est parti. Je me rappelle plus si c'est vraiment très très long ou pas, Ravenholm, mais... Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe quelques dingueries. C'est parti. Et là, l'ambiance... Changement drastique. Je crois que c'est là qu'on va récupérer le peupon aussi. C'est vraiment une dinguerie, cet endroit. Hein. Je vous avais dit, les gars, hein. Je vais essayer d'utiliser que le portal gun. Pour le beau jeu. C'est vrai que je peux utiliser ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi. Yo boy! Ah bah alors, vous la fermez votre gueule? Normalement ça discute pas mal hein. Putain, qu'est-ce qui branle? D'où il y a un mec qui est venu derrière là? Ah! Car on dit qu'ils sont devenus pareils à ces étranges démons qui habitent la matière mais n'abritent aucune lumière. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui parle? Allez-y, venez. Ouais, ouais, y'a aucun risque. Continue, va. Voilà, bouffon. Oh, putain. Il est mort? Ok, y'en a un milliard. C'est qui parle là déjà? J'ai oublié. Ah! Qu'est-ce qu'ils font là, ces bougs là? Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà, parfait. Ah, c'est le prêtre! Mais oui, vous avez raison, j'avais oublié qu'il était là, lui. J'avais oublié qu'il était là. Non, tu me lances pas ça parce que sinon on est dans la merde. Ok, ça c'est bon. Ah, du Dead Space, on en avait refait il y a quelques temps. Je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, au mois de... Enfin, je crois que c'était pour Halloween. Ouais, je crois que c'était pour Halloween, on en avait refait un peu de Dead Space. Ah voilà, eux ils sont terribles là. Et t'as complètement pété un boulon mon pauvre. Ah putain, je me fais niquer en plus par mes propres trucs. Tiens, qui est-ce donc? Bah c'est moi, c'est Gordon! Je garderai l'œil sur vous. Je ne peux rien promettre de plus. Il est stylé ce perso aussi. J'aime bien. Il me fait penser... Alors je sais pas si vous avez la ref, c'est un peu obscur. Hein. Il me fait un peu penser... au mec qui s'occupe des prisonniers... dans La Momie 1. Voilà. Si vous avez la ref... Je peux pas être plus précis que ça, hein, les gars, c'est... Il fait penser à lui. Le gros égyptien, voilà. Oh bah alors là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont cramés, hein. J'arrête, hein, j'arrête. Attends. Ah, mais vous cassez les couilles, hein, vous.
Sincèrement. Et je crois que je peux le faire cramer et là il va crier au... Vous avez vu, la physique elle est ouf quand même. Hein. Vous avez dit que la physique elle était ouf quand même. C'est parce que j'ai tiré hein, que ça a pris feu. Hein. Je me souvenais plus qu'il y avait un délire avec ça là. Ça me dit rien du tout cette histoire. Faut que j'aille de l'autre côté. Faut que j'aille ici, je crois. Allez, fais le mien jusqu'à moi. Bon. Allez, tant pis. Vous l'avez cherché, les gars, en même temps. Tiens, vous aussi. Voilà, les déménageurs de l'extrême, moi. Tu m'appelles ? J'essaie de me reprendre quand même ça, on sait jamais. Je vérifie s'il n'y a pas des trucs à ramasser dans le coin, quand même. Strictement rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vu que les zombies normaux pour l'instant. On n'a pas vu ceux qui sont vénères et qui courent partout. Merde ! Parce que les autres vénères, ils sont quand même... Bon, tu mènes pas large face à eux. Hein. Ils font que de gueuler, ils te courent partout. C'est fermé, ça. Ça, c'était sûr. Voilà, ça, ça dégage. Et on est good. On peut se barrer. Moi j'ai juste hâte d'avoir le pont parce que... Putain. Le space 12 il est... Ah ! Un HP ! Ah non c'est bon. Ça remonte. Ah la saloperie. Putain, je me rappelais pas que ça baissait autant la vie, cette merde-là. Ah, j'ai hâte d'avoir le space, parce que le space 12, c'est tellement puissant, vous allez le voir, de toute façon. Dans cette zone-là, en fait, c'est... Enfin, après, c'est énorme, on va quasiment servir que du pompe, hein. Ah bah, teuf là, toi! Bravo, mon frère. Utilisez mes pièges, mais prenez garde de ne pas y tomber vous-même. Derrière vous! À Ravenholm, mieux vaut être vigilant. Il est flippant, ce con-là. Hein. Alors. C'est parti. Faut vraiment pas que je me pète la gueule, là. Hein. Ça prend feu, cette merde. Ah ouais, ça a l'air. Je sais pas si je joue avec ça ou si je joue avec le... Le Magnum, on s'en est pas trop servi depuis le début. Ramenez-vous là! Voilà les bouffons!
Un peu plus ici au milieu. Au milieu. On bouge plus. Oh putain, je l'ai entendu le gros bouxer là. Où est-ce que je suis là? Je l'ai entendu le gros bouxer qui crie là. Ma parole, mais par où je passe là? Comme ça? De mieux en mieux. Je suis le père Grégory. Bon. Je crois que vous connaissez déjà ma... Comment ça me faire flipper ce con là? Et, j'avais pas le souvenir qu'il était aussi starbé lui en fait, c'est pour ça que ça me paraît bizarre de le voir comme ça. Dans mes souvenirs, il allait juste nous aider, quoi. Mais je me rappelais pas qu'il était si fou. Ah. Putain, les sauts dans le jeu, c'est quand même technique, hein. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment intelligent de faire ça, mais... Ah bah vas-y, tire-moi dessus, là! Tire sur O'Connell! Oh, c'est vous, mon frère! Oui, bah oui. Pardonnez-moi. Il est un peu con, hein. Ne vous inquiétez pas, mes balles sont le cadet de vos soucis. Ouais. T'as failli quand même me toucher, hein, espèce de bouffon, là. Et là, par contre, tu m'aides pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est toi, espèce de sale con! Oh, c'est vous, mon frère! Pardonnez-moi! Ouais, redis-moi la même chose là! Ne vous inquiétez pas, mes balles sont le cadet de vos soucis. Ah la vache, putain, je suis trop con. J'ose, mais... C'est des bêtises, là. Aïe! Mais genre, ça me touche! Mais je suis encore dans la caca, là. Merci de ton aide, hein, espèce de bouffon, va. Je prends un shot, je canne, là. Oh, putain. Je vais reprendre la santé qu'il y a ici. Et où est-ce qu'ils sont, ces bouffons? Ah, il y en a un là. Ok, ça, c'est bon. Ensuite. Faut quand même pas que je descende maintenant, si. Ouais, ça m'en a tout l'air, hein. Ah. Il y en a encore pour longtemps, Ravelholm, là, parce que... C'est un peu caca-culotte, hein. Peu m'importe qu'il me traite de fou, car c'est vous qui êtes mon aide, ma force. Il est complètement starbé, l'autre, hein. Ah! C'est que j'ai vraiment pas beaucoup de munitions du Magnum. Hein. J'aurais peut-être le limiter à un tantinet, non? Faudrait peut-être que je limite un peu son utilisation. J'ai baisé toutes mes munitions de la manière la plus débile possible aussi. Ok,
Ok. Ah, je vais utiliser ça. Je vais garder ça. C'est ça! C'est ça, là! Ça, c'est une catastrophe! Qu'est-ce qu'ils font flipper, ces cons-là, là? Merci, Omegarine, pour ton 4e mois d'abonnement. J'économise les munes, hein. Plus maintenant. J'ai un pot de peinture. Un carton. Ok, j'ai compris. Oh boy. Putain. Ah, c'est ce son là qui m'avait traumatisé là. On dirait qu'ils ont une diarrhée pas possible. Ah bah te v'là. Je suis là. Mon rey. Vous avez réveillé les enfers. Donne-moi le space 12 là. Un homme de mon envergure. Voici une arme bien plus appropriée. Vous en aurez besoin. Merci. Allez, tu donnes. C'est bien. Ne le lâchez pas maintenant. Ah bah non, t'inquiète. C'est ce dont je rêvais. Visez la tête. Silence. Ils arrivent. Ravenholm ne connaît pas la paix. Oh la vache. Continuez. Je vous rejoins à l'église. Vous avez vu comment ils sautaient tous ces bâtards là? C'est une blague. Il est où le pompe du coup? Il est là. Où est-ce que je dois passer là? Monsieur le prêtre! Je suis totalement du père là. Ici? Ça m'a l'air d'être là. Ok. Au secours, au secours! Ah! Au secours! Je fais caca dans la couche là! Oh le con. J'ai déjà mal au crâne. Si en plus il y a ce genre de truc qui arrive, ça va mal se put together cette histoire. Hein. Par où voulez-vous que je passe, mon prêtre? C'est un ascenseur ça. Ouais, vous avez raison, je vais sauvegarder. Attendez, j'ai combien de vie? J'ai 100. Je ferme, c'est bon. Ah ! Ouais, encore plus lent là. Encore plus lent là, cette histoire. Ils ont quand même mis le son. Hein. Je crois que c'est bientôt fini, hein. Je crois que Ravenholm, c'est bientôt fini, mais... Je me rappelle plus, en fait. Ah, le bâtard. Ça va, la vie, là? Faut mourir, hein.
Je suis désolé, je parle pas beaucoup les gars, mais je suis à fond dedans. J'ai le son à fond dans les oreilles là. Ah, c'est ici. Oh putain. C'est pas possible. Genre, je peux pas l'ouvrir ça. Bon, je vais m'en servir du pompe là. C'est des malades. J'en ai un à foutre, hein. Pourquoi que j'ai fait ça? Il faut mourir! Oh la vache. On n'est pas dans la merde, là. Oh putain, alors toi, voilà, dans ta guilde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Faut canner au bout d'un moment là. Ils sont partout. Ils sont partout. Ah, j'ai plus de balles. On est dans la merde. Oh putain. On est dans la merde là. Je sais pas du tout où il faut aller en plus. Alors attendez, il y avait cette plateforme-là au toit. Oh, mais c'est pas possible. Comment je peux y arriver à ce truc-là? Bon, vous forcez, là! J'ai plus de balles. Ils forcent tous, là, sur ma personne. Là-bas? Comment que j'y arrive, là-bas? Ah voilà, ici. Que suis-je chouon. C'est Prince of Persia. Hein. Spawn infini? Bah je sais pas les gars, je suis en train de me poser la question. On dirait, hein. Allez, ça c'est bien. C'est bien ça. C'est pas mal ça. Mais où veux-tu que je me rende là? En fait, c'est ça l'énigme pour ma part, c'est... Prêtre ! Aidez-moi, prêtre! Oh putain. Oh la vache, il est... Je peux pas faire plus là, Gordon! Bon, allez. Ramène-toi là, toi. Vas-y, bah lance-moi ma chaise, là. C'est bien.
Mais tu vas te calmer là ! Ils en ont pas marre ? Putain, le bordel qui branle là. C'est un putain de labyrinthe, cet endroit de merde là. Je sais même pas où je me dirige là. Ça me court après. Je suis dans la merde. Oh la vache. Le grand ou là, l'espèce de grand cri qu'il fait là, ça c'est terrifiant. Hein. Bon, quand est-ce qu'on sort d'ici? J'ai plus de balles, messieurs, dames. J'ai plus rien là. Ah, j'ai que ça. Ça va être compliqué, il faut que je trouve des vivres là, parce que si je fais tout le monde au cac là, ça va vraiment mal se mettre. Hein. Oh, qui vient à point qui sait attendre. Oh putain, il est là. Enfin, je vous envoie le chariot, mon frère. Ça ne prendra qu'un. Vas-y, dépêche-toi, hein, parce que bon. Montrez-vous prudent. Quel chariot? Bon alors toi. Ah, celui-ci. Ok, c'est bon. On arrive à la fin. Ouais, gars, merci. Ça avance pas là, hein. Encore des flics. Ah ! Au secours ! Ok. D'où... Dans quelle étagère ? Et puis ils sont là encore, eux, là. Ah bah, 2 secondes ! J'ai glissé, prêtre. Oh la vache. Moi, je suis dans la... Oh, la merdasse. Je suis dedans. Le frein à main. Desserrez-le et revenez. C'est bon, prêtre. Ouh. Oui, j'en ai strictement rien à foutre de toi. L'œuvre d'un homme qui n'avait que trop de temps à et dont chaque seconde est aujourd'hui vouée à la rédemption. Vous n'avez sans doute pas l'intention de rester à Ravenholm. Laissez-moi. Ah non, j'aimerais bien me barrer. Quant à moi, un berger doit garder son troupeau. Il a des converses quand même, hein. Pour un prêtre, c'est pas mal ça. Suivez-moi, mon frère. Je te suis. Et marchez délicatement. Cette terre est bénie. J'ai pas été très délicat depuis le début, hein, mon père, hein, mais... J'ai quand même à vous le souligner. Qu'est-ce qu'il y a après? Je me rappelle plus. On va voir ça ensemble, mais... Ah tiens donc, c'est pas terminé? Je peux apaiser vos peines. Aidez-moi, mon frère. Bah, je te regarde.
C'est quand ça vous arrange la foi, hein, monsieur. Restez prêts, mon frère. Putain, j'avais oublié qu'ils étaient encore pleins. Attention! Aucun mineur. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que c'est pas long cette séquence parce que j'ai horreur des séquences où on est censé défendre un PNJ. Oh le boxon! Non mais j'ai visé la tête là! Putain, j'ai rien à mettre sous la dent. Ça marche ça? En one shot? Putain, j'ai l'impression que ça passe, hein. Oh, alors ça, par contre. Mettez-moi main fort, mon frère. Oh, mais qu'est-ce que tu branles? Il est con, ce prêtre. Mais tire-moi dessus, vas-y. Il déconne, lui, là. Il va pas bien, lui, hein. Ah! Mon prêtre! Eh bah oui! Et tu l'as répondu sur ma gueule, espèce de débile! Il est con comme un ballon, lui. La lumière des lumières vous guide. Ah, mais alors là... Je vise la tête. Putain, mais tu nous as bloqué le passage, espèce de vieux sénile, là. Comment on fait? Ça va durer 50 ans, ton histoire. Suivez-moi. Pressons, mon frère. Rien de pire ne vous attend dans la tombe. Allez, viens là, là, c'est bon. Je t'ai sorti d'affaire. Qu'est-ce qu'il est con, ce prêtre. C'est bien moi. Mais ramène-toi, là. Qu'on se barre d'ici, espèce de vieux con. Reposez-vous, mon enfant. C'est bon, là. Le sketch est fini. Ah, il nous fait les municipaux depuis tout à l'heure, là. C'est bon? Allez, ouvre-moi cette merde, là. Mais je suis catastrophé, là. Ah, merci. C'est là qu'on se sépare? Adieu, mon frère. Je crains de vous laisser dans un bien sombre lieu. Que la lumière des lumières éclaire votre chemin. Oula. Pensez à votre propre salut. Je l'ai starbé, hein. J'ai jamais regardé ce qui s'est passé ici après. Il meurt. Il est au courant qu'il est dans le feu là ou pas là, parce que. Je laisse où il est, le vieux papy, hein. Voilà, c'était Ravenholm, les gars. C'est assez inattendu, n'empêche, quand tu... 16 HP. Ouais, je suis au courant. Allez, viens là. Ah putain, 16 HP, je suis dans la caca là.
Faut que j'atterrisse ici, là. Ah putain, y'a de la vie, là. Pourquoi y'a autant de merde pareil ici, là? C'est quoi ce délire? Faut que je me barre au plus vite de cet endroit-là, hein. Parce que je vais pas tous les tuer mano mano, hein. Allez, je cours. Ah, je peux pas. Mais je vais me faire baiser encore. J'espère que c'est là que je dois aller. Hein. Ah, tu veux le liquide? Là? Ouais, tu peux, ouais. Mais je suis pas du tout au bon endroit, en fait, là. Faut que je me fasse sucer, non? Fabio. Ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, ça, ou pas? Putain, tout ça pour ça. Se faire sucer pour perdre des HP et les récupérer après. Ah merde. Putain, ça me dit rien du tout, cet endroit. Pas là. Non, c'est pas là. C'est sûr que c'est pas là. Me v'là dans la merde, là. Comment veux-tu que je progresse dans cette histoire? Attends. Ah bah si, par là. Que je suis con. J'ai plus d'oxygène. Et j'ai replongé. J'aimerais bien, en fait, voir l'air libre, là. Sortir la tête de l'eau, ce serait pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. Ah. Mais oui. Putain, je m'en souviens de ce truc-là. Ça retombe, non? Je vais faire Bellec quand même, hein. Putain, mais ça ressemble à... à ce qui se passait... Ah. Dans les mines, dans... dans l'épisode 2. Ah putain. On y voit quelque chose, les mecs. Ah. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Et en plus, on récupère du stuff. Allez, c'est parti. Bon, ça vous plaît, les mecs? C'est toujours incroyable, franchement. Ça fait tellement plaisir d'y rejouer, là. Le jeu est pixel. Merci, Skablock, pour ton prime. Bienvenue à toi. Attendez, c'est maintenant la voiture ou c'est... Je sais plus si c'est maintenant la bagnole ou plus tard. Lâchez-moi! Ah! Oh, je vais vomir là! Mais quoi? Mais. J'ai 20 HP, hein. Je crois que j'en ai plus de grenades. Ah si, j'en ai. Mais ça marche pas, ça. Ah si, ça marche. Putain, j'aurais jamais pensé.
putain. Oh la vache, je m'en surpris ces cons là. Oh, oh cette arme là. Ah, elle est tellement kiffante à jouer cette arme là. Vous avez vu le petit animation de rechargement? Je vous remontre. Oh, ils étaient dans le futur, hein, c'est pas possible. La voiture. Je sais plus si c'est maintenant la voiture ou si c'est plus tard. Vous allez me laisser tranquille, pardis. Lui pas le mouse tout. Comment ça le mouse tout? Ah oui, de la bouboule. Ah mais j'en ai pas. J'en ai pas encore. Un peu plus tard la voiture, frérot. Bah, écoutez, moi je pense que du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Parce que là on a mangé... On a mangé un tiers du jeu, je crois, là. Si je dis pas de bêtises. Bah tout le monde, hein. Winston est touché. Ah, cette musique. Gordon Freeman. C'est moi, oui. Vous avez réussi. Nous avons pu communiquer avec... J'essaie de la recontacter. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette musique. Vas-y, je te suis, mon pote. Merci, Nathan, pour ton prime. Les gars, serrage de main pour Nathan, les gars. Il rejoint la famille. C'est Léon, tout va bien. Gordon Freeman est avec moi. Docteur Freeman, vraiment? J'ai parlé avec Alix. Ils ont capturé son père. Par ici, Docteur Freeman. Je vous suis. L'élivance est indispensable à la libération. Le petit full stuff, là, il va mettre bien. Alix, c'est Léon. Gordon Freeman est avec moi. Oh, Alix. Tu es si proche et pourtant si loin. Merci Shelwy, merci Zertix, les gars. Serrage de palu, je demandais là. Merci beaucoup, les gars, c'est gentil. Vous voulez qu'il longe la côte? Il tiendra pas 5 minutes à pied. C'est la période de reproduction des fourmilions. Ah, c'est ça qu'on fait maintenant. Merci McKnight, ouais, pour ton deuxième mois. Une seconde. Noriko, merci pour la re-signature. Sortez le buggy et amenez-le sur le dock. Ah bah c'est maintenant le buggy. Va s'en servir. Ok, j'ai monté un bac à munitions alors. Qui m'a dit c'est pas maintenant, frérot, là? C'est bon, Alix, tout est prêt. Merci Léon. Gordon, ça fait un an que je n'ai pas pris la route de la côte. Mais elle ne doit pas être plus sûre maintenant. Une fois les trains déchargés, rendez-vous au dépôt. Ok. Salut Alix. A plus. Bon, alors, avant de vous lancer, prenez des trousses de secours et des munitions et vérifiez la carte pour mieux vous repérer. Il y a un bac de munitions à l'arrière, si ça peut vous rassurer. Tépez-toi, bon sang. Pas la voiture et utilisez les klaxons. Vous vous en sortirez mieux face aux fourmilions. Faut arriver. Eh mais oui, bien sûr que c'est maintenant. Allô, docteur Freeman, la voiture est fin prête. J'y suis. Grimpez, je vous descends vers la plage. Bien. C'est parti. J'en connais qu'on peur des micro-ondes, hein. Dinguerie la bagnole. Allez, lâche-moi là! Attends, mais t'es sérieuse, là? Attends, la connasse! Non, mais attends! Salope!
Pas vrai ça. On va faire tomber sur la guilde hein. Voilà le boubou. Putain, le boubou il est technique hein. Oh là là, je crois que je me dirige pas du tout, il faut. Bah où que je dois aller là? Ok, ça m'a l'air d'être ici. Ah, ah non, non. Oh non, oh non. Ah, oh, j'étais si proche. Allez, pousse-toi, fourmilon de merde. Non, mais ça se conduit comme un z... Ah, c'est bon. Mais non, mais c'est pas là du tout. Qu'est-ce que tu branles, Hugo, là? Ah. Oh, le bordel qu'elle fait, cette bagnole. Voilà, sortie d'affaire. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon, ça vous plaît, les gars? Est-ce que vous kiffez le jeu? Ouais. Putain, je suis content que ça vous plaise, parce que j'avais peur que, justement, en y jouant et en allant un peu plus loin, on se rende compte que ce... Enfin, qu'au final, c'était... plus stylé dans nos souvenirs, et au final, on s'était pas trompé, hein. On s'était pas trompé, c'est banger, hein. C'est toujours autant banger. Hein. Bon bah vous savez que du coup maintenant on a ce let's play à terminer. Hein. Mais je pense qu'on va continuer, peut-être pas demain, demain je stream pas, mais dans la semaine on va continuer, ça c'est sûr et certain. Je quitte ça. Voulez-vous sauvegarder? Bon, encore une fois si tu veux. Fais-toi plaisir mon pote. Hein. Alors, je suis content que ça vous plaise, surtout que... Attendez, je vais checker quand même sur une sur un long play. Je veux voir à peu près Half-Life 2 long play. Combien ça durerait, genre? Là, le mec, il finira Venholm. Il en est à 3 heures de jeu sur 8. Donc, on a fait un peu plus d'un tiers du jeu. Presque la moitié, en fait. On est à ça de la moitié du jeu, donc je pense qu'en deux sessions de... comme on a fait aujourd'hui, ça passe. Non, sincèrement, le fait que le jeu soit toujours aussi bien, alors que ça fait plus de... Enfin, ça fait quasiment 20 ans qu'il soit sorti, je suis bouche bée. Non, je suis trop content que ça marche. Très content. Oh là là, il y a tout le monde de la cacabox qui joue à Minecraft, là. Ça y est, c'est reparti officiellement. C'est la... C'est le speedrun en folie sur Minecraft. Eh ben dis donc. Non, je l'ai pas fini, Half-Life Alyx. Bon bah en tout cas, j'espère que le stream vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de reprendre Half-Life 2. Et on va très vite continuer je pense. Hein. Je vous dis demain je stream pas, parce que d'habitude je suis off le lundi, mais je me suis dit vu que ça fait quelques jours que j'ai pas pu streamer, je stream aujourd'hui. Donc je vais continuer dans la semaine. Peut-être qu'on refera du speedrun Elden Ring aussi cette semaine. Et bien sûr, Terraria pour combler les 3 personnes que ça intéresse dans le chat. Hein, j'en ai bien conscience. On verra. Et de toute façon, ce que je vous avais dit aussi, c'est que des petites Amnesia Custom Story, il faudrait qu'on s'en refasse à l'ancienne. Hein. Ce sera cool. Merci d'avoir été autant aujourd'hui. Hein. Franchement, vous pétez les scores en ce moment, ça fait plaisir. Merci d'avoir été autant, merci à toutes celles et ceux qui se sont sub, qui ont resub ou qui ont offert des subs. Je vous fais des gros bisous à tous ceux qui ont fait ça. Et bah du coup, je vous dis à mercredi, les gars, sans faute, normalement, hein, mercredi 13h. Et ben sinon, bonne fin de journée et à très bientôt. Hein. Allez, à bientôt les gars. Encore merci. Hein. Plein de bisous. À très vite. Prenez soin de vous.